Bonjour à tous, nous espérons que vous avez un excellent réveil ce jeudi 12 janvier 2023. Bienvenue sur Actu Matin. À vivre avec nous l'actualité et les échos du vaste chantier électoral duquel nous sortons progressivement. Les partis politiques sont fixés en attendant la décision finale de la Cour constitutionnelle, elle qui rendra les résultats définitifs des élections législatives dernières. Pour l'heure, les grandes tendances de la commission électorale donne vainqueur trois partis sur les sept précédemment compétitions électorales. L'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain pour la mouvance et le parti Les Démocrates pour l'opposition animeront les trois ans du Parlement de transition. Dans cette matinale, large page sur l'aboutissement du scrutin qui nous donnera à analyser les différents contours de ces 9e élections législatives avec beaucoup de questions sur beaucoup de faits, beaucoup de constats. Le retour de l'opposition au Parlement avec 28 députés sur 109, avec sa majorité de 81 députés, Patrice Talon n'aura pas du mal à gouverner pour le reste de son second et dernier quinquennat. La forte représentativité des femmes, on en parle. Des analyses, on évoquera également ces acteurs qui sont demeurés maîtres dans leur zone malgré la percée de l'opposition et les assauts de l'ancien président Boni Yayi, président d'honneur du parti Les Démocrates. Le cas de ces députés qui sont restés au combat et n'ont pu renouveler leur siège, on va en parler. Un peu plus de 40, une vraie purge pour cette législature. On en parle également. Restez avec nous. L'actualité de ces élections ne cache pas la visite au sommet de l'État. Le président de la Guinée-Bissau était en séjour au Bénin, Oumaro Mokhtar Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, en tête à tête avec son homologue Patrice Talon, ont échangé autour des questions de sécurité, de coopération, d'intégration sous-régionale. On fait le point avec les unes de la presse en ouverture et ce sera dans une poignée de secondes avec Wahab Ali Para. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est l'actualité du moment. Les résultats partiels des élections législatives du 8 janvier dernier. La Sénat qui les a rendus publics hier avec beaucoup d'analyses dans la presse ce matin. On va démarrer avec les gros titres et c'est avec vous, Wahab Ali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Moi je préfère parler des résultats provisoires rendus publics hier par la Commission électorale nationale autonome. L'institution donc chargée de l'organisation des élections qui tente de situer les candidats et les formations politiques en lice. On va donc commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui titre ce jeudi « Grande tendance du scrutin du 8 janvier dernier, la mouvance majoritaire. Patrice Talon obtient les trois quarts des députés au Parlement. Il y a 53 sièges pour l'Union progressiste, le Renouveau, 28 pour le Parti Les Démocrates et 28 pour le Bloc républicain. Carte blanche pour la poursuite des réformes, le grand retour de l'opposition au Parlement, plus d'une quarantaine de députés de la 8e législature absents. Les réactions de Jacques Ayadji et de Paul Hongpe à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. La répartition des sièges par circonscription électorale également. On est maintenant à la une du quotidien Le Matinal. La publication des résultats provisoires des législatives du 8 janvier 2023. Voici les nouveaux élus du peuple en attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle.
constitutionnel. Le quotidien Le Matinal qui donne à lire dans ses colonnes des avis de quelques personnalités. Le journal peut constater également qu'il y aura désormais 3 forces politiques pour animer la 9e législature. 30 députés réélus, 5 ministres réélus, 28 femmes au Parlement. Le parti Force Corée pour un Bénin émergent prend acte de son échec. Nous les entendrons tout à l'heure dans notre bulletin matinal, de même que dans le reste de nos éditions. On va évoluer avec le quotidien Le Matin, qui donne également à retrouver dans ses colonnes les grandes tendances proclamées par la Commission électorale nationale autonome et PUFIP 2023, potentialité d'attractivité de la ville capitale. Nous sommes là à Porte Nouveau, un colloque scientifique pour explorer les opportunités. Le Soleil Bénin Info, 9e mandature de l'Assemblée nationale, nom et prénom des 109 députés provisoirement élus. Retour d'anciens parlementaires, fait constater le quotidien Le Soleil Bénin Info. Et puis, 30e édition de la fête des religions endogènes, le gouvernement fait une grande annonce. Voilà, là. Nouvelle quotidien, la nouvelle proclamation des tendances provisoires des élections législatives de 2023. L'honorable Justin Houssa à Gbojété, ce baobab gagnant de la 20e circonscription électorale, relu pour le job. Et puis, législative 2023 au Bénin, les résultats provisoires publiés par la SEDA et la liste des députés de la 9e législature à retrouver dans les colonne du quotidien La Nouvelle. Contemporain, le quotidien Le Contemporain cette fois-ci. Résultat provisoire des élections législatives du 8 janvier 2023. La Sénat donne les grandes tendances. Jeu loto 5 sur 90 au début de l'année 2023. Près de 900 millions de francs CFA distribués par la loterie. Info matin, élection apaisée au Bénin, Avono Madegbe salue la clairvoyance des Béninois. Et puis législative de janvier 2023, le quotidien Info matin fait son analyse. Les grands enseignements d'une élection ont envers une nouvelle configuration politique, 24 sièges à la femme, la touche s'officialise, retour de la pluralité au Parlement et puis un regard tourné vers les 7 sages. Quotidien Palmarès, scrutin législatif du 8 janvier 2023. En attendant la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, les résultats de la Sénat sont connus depuis hier. 3 partis politiques se partagent les sièges. Union progressiste le renouveau qui s'en sort avec 37,56% des voix exprimées, avec donc 53 députés. Le Bloc républicain, n'est-ce pas, 29,17% avec 28 députés. Le Parti Les Démocrates, 24,2% avec 28 députés. Également, faible taux de participation de 38,66%. Le journal qui donne à lire dans ses colonnes la liste intégrale des députés provisoirement élus. Nord-Sud quotidien, résultat provisoire de Moël Bénin, Jacques Ayadi rend hommage au votant 9e mandature de l'Assemblée nationale, le visage sorti des urnes. L'autre vision, après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, Paul Hunkpe félicite le parti Les Démocrates. Il va retrouver dans les colonnes du quotidien L'Autre Vision l'intégralité de la déclaration de presse de Paul Hunkpe que nous entendrons tout à l'heure dans notre bulletin matinal. Et puis annonce des résultats provisoires du scrutin législatif. Union progressiste le renouveau, le Bloc républicain, le parti Les Démocrates rejoignent le Parlement. La Sénat relève le défi de la transparence. L'Union progressiste le renouveau confirme son hégémonie avec 53 députés. Le Bloc républicain s'en sort avec 28 députés. L'incursion spectaculaire du parti Les Démocrates, une première force de l'opposition avec 28 députés également. Et puis il y a ce comeback triomphal de Eric Ondete, Nourini à Tchadé et Léon à Rossi. Visite de travail au Bénin du président de la Guinée-Bissau. La question de sécurité et d'intégration sous-régionale était au menu des échanges entre les deux personnalités.
Matin libre, résultat provisoire des législatives excite le Parlement monocolore. L'entrée de l'opposition a fait des victimes, fait constater Matin libre. La Cour va-t-elle confirmer l'union progressiste avec 53 députés et le Parti les démocrates 28 députés, puis le Bloc républicain 28 députés? C'est une interrogation donc à la une du quotidien Matin libre. Que feront les démocrates, s'interroge toujours le journal. Les tendances publiées par la Sénat, retrouvées également dans les colonnes du journal Matin Libre. Christian Dandéjan, on va finir avec le quotidien Le Potentiel. Résultat du scrutin législatif dans la 12e circonscription électorale. Carton plein pour le parti Union Progressiste Le Renouveau. Adomaou Jérémy, l'homme des records. Tête de liste, le député décroche les 4 sièges et réédite l'exploit. Et puis victoire de 4 sièges sur 4 pour l'Union Progressiste Le Renouveau dans la 12e circonscription électorale. Le maire Rigobert Tozo s'honore d'une performance électorale record. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, essentiellement dominé, comme on le constate, par les résultats proclamés hier par la Commission électorale nationale autonome. Les résultats donc du scrutin du 8 janvier dernier. Fraternité revient également sur cette actualité avec les grandes tendances du scrutin d'hier. Fait constater le journal, la mouvance est majoritaire et donc le président Patrice Talon obtient les 3/4 des députés au Parlement. Voilà, et cette profonde analyse du quotidien Fraternité à découvrir dans sa parution du jour. Et précisément en page 3, en page 2, vous avez ces résultats provisoires de ces élections publiées par le président de la CELA, Saka Lafia. C'était hier dans l'après-midi. L'Union Progressiste, le parti le plus grand et le plus ancré sur le territoire national, nous renseigne le journal Fraternité au regard du score réalisé par cette formation politique. Le Bloc républicain, ça on peut le reconnaître, est en perte de vitesse avec le score réalisé, le nombre de députés obtenus. Et puis la grosse surprise, c'est bien sûr le parti Les Démocrates qui devient désormais la première force de l'opposition. Et ces trois formations politiques seront représentées au Parlement, ce Parlement de transition qui va siéger pour pratiquement 3 ans. Les autres, l'UDBN, les autres, Mouel Bénin, les autres, la Force Coury pour un Bénin émergent ou encore le MPL n'ont pas réussi à atteindre la barre des 10%. On tirera les enseignements de tout ceci au forum de discussion et vous y serez à Wakabali Para. Ouais. À tout de suite. On prend le rendez-vous de tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, on fait le point de l'actualité électorale qui dominera donc le bulletin matinal de l'information. C'est le tout image et c'est parti avec la réalisation aux commandes Christelle Bordécon. Chiffre des résultats provisoires au plan national. Nombre de procès-verbaux de compilation attendus, 546. Nombre de procès-verbaux de compilation reçus, 546. Taux de compilation au plan national, 100%. Nombre d'inscrits au plan national, 6 600 572. Nombre de votants au plan national, 2 551 547. Taux de participation au plan national, 38,66%. Bulletin nul au plan national, 78 106. Suffrage valablement exprimé au plan national, 2 473 441. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE,
109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44. Les démocrates, LD, suffrages obtenus 598 490, soit un taux de 24,2%. UP4, UP le Renouveau, suffrage obtenu 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5, UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6, MPL, suffrage obtenu 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc Républicain, BR, suffrage obtenu 721 636, soit un taux de 29,17%. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, trois partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates, avec 24,2%, UP le Renouveau avec 37,56% et le Bloc Républicain avec 29,17%. La Sénat vient de donner les grandes tendances des élections législatives du 8 janvier 2023. Ces résultats provisoires ne nous permettent pas de siéger à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et tenons à remercier les militantes et militants et tous les électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats du parti FCBE. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos candidates et candidats qui ont su brillamment défendre les couleurs et le programme du parti malgré les maigres moyens mis à leur disposition. Nous félicitons ensuite le parti Les Démocrates qui se révèle à l'issue de ces élections être désormais la principale force de l'opposition. Nous nous félicitons du parcours de notre parti, du début du processus jusqu'à sa fin. Notre parti aurait pu obtenir un meilleur résultat si le processus électoral n'avait pas été marqué par certains faits et irrégularités, notamment la déstabilisation de notre parti FCBE par les débauchages à coups d'argent des militants, des responsables de structures, des élus communaux et locaux avant et pendant les élections. L'impossibilité pour beaucoup d'électeurs d'exprimer leur suffrage, une forte présence de l'argent lors du processus, les bourrages d'urnes, la transformation des élections législatives en une élection présidentielle, etc. Malgré toutes ces irrégularités, le parti FCBE reste serein et invite ses militantes et militants au calme et à se tenir prêts pour suivre les mots d'ordre qui seront issus des assises des instances du parti. Cet immeuble majestueusement dressé abrite les locaux de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui, en effet, est habilitée à proclamer les résultats définitifs du scrutin législatif du 8 janvier dernier. La mission est délicate, autant l'ampleur est appréhendée par les membres assermentés. Ce mercredi,
l'institution ouvre ses portes et le commandant à bord, secrétaire général, lève le voile sur l'actualité et l'occupation du moment. Les équipes ici, c'est environ une quinzaine de personnes. Pas équipe, mais c'est juste au niveau de l'ouverture des plis. Parce que pour la réception des cantines, c'est aussi carrément une vingtaine, sinon plus de personnes. Parce que c'est beaucoup de manutention, c'est beaucoup de contrôle aussi, beaucoup de cahiers, beaucoup de décharges. Parce que si on nous disait qu'un seul pli est perdu, il faut qu'on situe les responsabilités. Donc entre le moment où la Sénat amène les cantines et le moment où ça arrive ici, il y a au moins 3 ou 4 cahiers à chacune des étapes de décharge, de contrôle. Et même ici sur cette table de personnes qui gèrent les cantines, il y a tout un contrôle qui se fait. Entre les cantines à ouvrir, celles qui ont déjà été ouvertes, les plis qui ont déjà été transférés, les plis qui doivent l'être après, ce qu'on a fini, on range d'un côté, ce qui reste à faire, on range. Des cantines venues de toutes les circonscriptions électorales réceptionnées et passées à la salle d'ouverture des plis. Comme dans une course de relais, mais sans discontinuité, la salle de dépouillement constitue l'étape 2 du processus. La salle de dépouillement est une salle dans laquelle on a les personnes assermentées, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la cour, ceux qu'on appelle les rapporteurs adjoints, c'est-à-dire les professeurs d'université et les membres de la cour suprême ou les magistrats anciens ayant une certaine expérience qui sont recrutés pour se joindre à cette équipe de la cour. Et également ce qu'on appelle ici les assistants juridiques qui ont prêté serment et qui préparent les dossiers avec les membres de la cour. C'est l'ensemble de ces personnes qui examinent les documents ouverts et organisés selon un ordre donné. Malgré la qualité des personnalités présentées dans cette salle de dépouillement et d'observation, la salle de traitement informatique s'érige sur le chantier. La salle de traitement informatique enregistre systématiquement l'ensemble des PV de tous les postes de vote au Bénin. Et c'est quand eux ils finissent complètement leur travail maintenant que le logiciel qui est en place dégage sur la base des calculs, des algorithmes qui ont déjà été intégrés, dégage les résultats circonscription par circonscription. Ces propositions de résultats sont regardées par les conseillers et il y a une audience de validation qui se fait. Et c'est à l'issue de toutes ces opérations qu'une audience solennelle de proclamation des résultats est en place. C'est une batterie de travail qui s'abat en ce moment à la Cour constitutionnelle, tenue dans un délai de 72 heures, qui court depuis ce mardi et qui aboutira à la proclamation définitive des résultats des législatives de janvier 2023. Des pas de danse au rythme des tam-tams, accompagnés de chansons. C'est ainsi que les adeptes zéro dignitaire d'Abou Mekalavi rendre hommage au vaudou Mveatina. Démarré le mardi 10 janvier avec des prières et rituels, les festivités s'achèvent 48 heures après leur démarrage et sur cette note artistique. Le vaudou, c'est une très bonne chose que nos ancêtres nous ont laissée et nous continuons à œuvrer à leur place aujourd'hui. Le vaudou fait du bien. Tout ce que vous demandez au vaudou, il vous le fait. Depuis hier, nous avons célébré le 10 janvier. Nous avons déjà fait la prière, les offrandes pour tout le peuple béninois, pour son président, les membres de son gouvernement, prions pour toute la nation, pour que notre société soit une société de paix, de convivialité, de fraternité. Le vaudou que nous adorons ici, qui est notre culte, le vaudou Mveatina, est arrivé depuis la création de la cité de Fofo-Diaka. C'est depuis le 17e siècle, ça apporte l'argent, la richesse, le bonheur, le bien-être, la santé. Le vaudou Mveatina, malgré ses nombreux bienfaits, peut s'avérer très dangereux pour qui transgresse ses interdits. Il y a trop d'interdits. Celui qui adore le petit ne doit pas chercher la femme de son voisin. Il ne doit pas connaître la mort de son voisin. Il ne doit pas ouvrir pour faire arriérer son voisin. Il y a des manières pour vous sanctionner. Donc le culte vaudou est bien structuré, ça c'est interdit. Il y a le code du culte vaudou qui est là, que nous n'exposons pas. Vertu de leur tenue et parure de circonstances, ces adeptes du vaudou Mveatina, réunis à cette place, viennent de 16 couvents d'Abou Mekalavi.
séduite par les différentes danses culturelles, la population les encourage avec des applaudissements. Passé les restrictions liées à la COVID-19, ils retrouvent avec bonheur les festivités autour des religions endogènes. Béninois résidents et ceux de la diaspora, tous accompagnés de bien d'autres peuples, ont afflué par centaines vers la plage de Grand Popo pour ces festivités. Avant ces rituels, l'instant protocolaire et ceux qui se sont succédés au pupitre ont tous magnifié le vaudon. Ce que nous avons en Afrique, qui peut sauver l'Afrique, qui peut sauver la race noire, c'est la spiritualité universelle. En termes clairs, le vaudon, qui n'est rien d'autre que la spiritualité universelle, est donc essence et par essence contribue au bien-être des humains et au développement durable. Pour le préfet du Mono, les religions endogènes constituent les traits identitaires du Bénin. Le vaudou, entité multidimensionnelle et mystérieuse, ne peut exceller que dans sa dimension spirituelle. Au-delà des stéréotypes qui lui sont collés, c'est une religion traditionnelle du peuple noir, bâtie non seulement autour de la vénération du cosmos, mais également des ancêtres et des autres entités. Tradition perpétuée, avec cette célébration, on aurait par les adeptes de plusieurs divinités. Ça, c'est un prêtre de magie. 10 janvier, la date est celle choisie depuis près de 3 décennies pour célébrer les cultes endogènes. C'est l'occasion pour responsables de cultes de diverses divinités adeptes ainsi que les dignitaires de se retrouver et de prier les dieux. Des rituels, libations et sacrifices sont aussi faits en vue de conjurer les mauvais sorts, attirer les ondes positives, mais surtout revitaliser les esprits. Il n'y a pas ce continent qui peut évoluer aujourd'hui sans sa culture. Vous allez constater, en Inde, les gens n'adorent pas les cultures étrangères. Ils adorent leur culture. Mais l'Afrique doit prendre conscience de ça et prendre ses valeurs culturelles et, comment dit-on, en valeur. Véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition, diverses manifestations sont organisées à cet effet. Les festivités sont aussi le cadre idéal pour faire des prières, rappeler les interdits et inviter tout le monde au respect des prescriptions de la nature. Cette année, dans la région Agonli, les manifestations ont pris une allure particulière. Une fois encore, on a prié, imploré la protection des dieux, la paix et la quiétude. Ici en région Agonli, nous sommes réunis sous la souveraineté suprême traditionnelle du Dada Asefe, roi d'Agonli. Et vous avez constaté avec moi la présence de l'ensemble de la chefferie traditionnelle de la zone. Notre tradition est dense, on ne la brave pas, on ne la foule pas aux pieds, on ne la banalise pas, parce qu'elle fait partie de notre identité culturelle et cultuelle. Ces retrouvailles entre sommités et autres pratiquants du domaine ont été mises à profit pour rappeler à tous l'importance de valoriser la culture de chez nous, notamment les cultures endogènes. Cette fête nous rappelle nos origines, nous permet de nous remémorer que nos ancêtres ont eu
à instaurer des pratiques séculaires qui continuent de perdurer. Et cette fête a une grande dimension culturelle également pour notre pays parce qu'elle permet de se ressourcer et d'attirer également beaucoup de personnes qui viennent participer à cette fête afin de pouvoir connaître, découvrir notre identité culturelle. Nous devons jamais abandonner notre tradition. Et je ne peux que remercier tous les chefs d'État qui œuvrent, qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer pour que nous ne perdions pas notre identité. Oui, aux religions importées, mais protégeons notre patrimoine culturel et nos ancêtres. Sobre mais solennelle, les réjouissances ont duré toute la journée. Elles ont été ponctuées par les danses de groupes d'adeptes de plusieurs divinités. Le rituel est sacré et plein de sens pour ces adeptes de culte endogène. Accompagnée de prières et des pas de danse, la commémoration de la fête du Vaudou représente un moment de fierté et surtout de reconnaissance aux manes des ancêtres. C'est un jour mémorial. Ce jour où la religion endogène a pu trouver sa place au milieu des religions importées. C'est très important pour le peuple béninois. 10 janvier, le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Nous sommes en train d'œuvrer maintenant pour le 10 janvier, c'est à partir du vivant de Yahweh Tchakapé. Dagbohunofuna, Sosa Gedenge, les Gezo, Glele et tout ça là. Les Oru Bambromu dans le nord. Cette immolation à la divinité Sakwata est symbole de paix invoquée sur la nation béninoise. Pour la célébration de cette 30e édition de la fête des religions endogènes, les dignitaires de culte, notamment ceux du littoral, auraient reçu l'accompagnement de la municipalité. Au niveau du département du littoral, ils nous ont octroyé beaucoup de choses. Des moutons, des cabris, des bœufs, des sacs de riz, des sacs de maïs, des boissons alcoolisées, tout ça là. Tout juste pour aider les adeptes et les fidèles en ce jour précis pour honorer et présenter et célébrer de cette forme la fête du 10 janvier. Chez nous, ici, la particularité est que nous faisons une offrande à la mer. Parce que vous savez, tout ce que l'être humain est venu voir sur la terre, il devait le vénérer. La mer est là avant les êtres humains. Donc certainement, elle est regorgée des entités que nous ne maîtrisons pas. Le 10 janvier, édition 2023, est donc célébré avec faste au sein des différents couvents sillonnés à Cotonou. Que toutes les bénédictions royales jaillissent sur tout le monde au Bénin. Et que Dieu Tout-Puissant le célèbre et les mains de nos ancêtres vous bénissent. Voilà, c'est le retour plateau après ces informations en images qui nous replongent un peu dans l'actualité de ces dernières heures, ces dernières 48 heures. Et ce qui reste encore plus présent dans l'actualité, c'est bien sûr ces résultats publiés par la Sénat, les résultats provisoires des élections législatives du dimanche dernier. On va y revenir au forum de discussion avec les débatteurs pour leurs analyses. Et tout de suite, on va marquer la pause transition pour parler sport. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Merci d'être là, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. On va commencer par du football et par la suite, nous allons parler un peu de handball. Bien sûr, d'accord. On va commencer par le football, comme oui. Vous l'avez dit. Et donc, on parle de la 14e journée donc, de la Ligue professionnelle du Bénin qui a démarré depuis hier. Donc, 14 explications ont été disputées sur les différentes installations du Bénin. Donc, on commence par la zone septentrionale, la zone nord, c'est bien sûr la zone A, où Panthère FC de Djougou était donc à domicile face au Buffle FC de Paraco dans ce classique habituel que nous connaissons. Bien sûr, sur les différents tableaux de résultats concernant les rencontres de la zone A, Panthère donc s'est incliné à domicile. C'était au stade municipal de Djougou, 2-1 face au Buffle que remporte une fois encore ces classiques entre les deux formations. De l'autre côté, Damissa était face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki, rencontre qui s'est soldée sur le score de parité, 1-0 entre les deux formations. Dynamique s'est incliné largement face à l'association sportive Takounin de Kandi, 5-1, s'il vous plaît. Et puis Real Sport et Dynamo FC de Paraco se sont séparés dans ce derby Paraco sur le score nul vierge, 2-0. On revient au niveau de la zone ouest et centre du Bénin. C'est bien sûr la zone B, l'association sportive du Tonnerre de Boycon était à domicile face à l'Auto FC. L'Auto s'est imposé à l'arrivée, 2-0. Dadier s'est incliné aussi sur le même score face à Rodio, 2-0. Dynamo d'Abomey et Espoir FC de Savalo se sont séparés, 2-0 sur le score de parité, 2-0. Soleil s'est incliné à domicile face à Banigansey, 2-1 également entre ces deux formations. On passe au niveau de la zone sud. Aziza était donc du côté du campus d'Avomey Calavi. C'était hier mercredi 11 janvier 2023 face à Sitatunga. Sitatunga qui s'impose 1-0 face à cette formation après avoir inscrit un premier but et puis qui a été jugé inacceptable par l'arbitre grâce à une position irrégulière. AS Police s'est incliné 3-0 face aux requins FC de l'Atlantique. Les requins, donc les Awisiwasa qui renaissent de leur cendre depuis le début de la saison. Aspac et Coton FC se sont séparés dos à dos sur le score nul vierge de 0-0. C'était bien sûr du côté de Toffo. Dans la zone Est, Sobimap Sport, la zone D, était donc face à la jeunesse athlétique de Ketou. Sobimap Sport s'est incliné sur le score d'un but à 0. La jeunesse sportive de Ouida s'est inclinée également face au Dragon FC. De l'UME score 0-1. La jeunesse sportive de Pobel, quant à lui, a pris le dessus sur son adversaire de l'association sportive de la vallée de l'UME. Score à l'arrivée 4-2. La suite, c'est donc aujourd'hui, jeudi 12 décembre 2023. Il y aura donc deux rencontres dans deux zones, la zone sud, donc la zone C, et la zone est. Pour commencer, l'association sportive de Cotonou sera donc au stade René Pleven de Cotonou pour affronter Offmas Sad. Et de l'autre côté d'Avranco, c'est Avranco M qui affrontera donc l'équipe d'Aïma FC. Enfin, on aborde maintenant, Christian, ce qui concerne le handball et on parle de ce championnat mondial, la 28e édition qui se déroule donc depuis hier du côté de la Pologne et de la Suède, une compétition co-organisée par les deux nations et qui a démarré donc depuis hier, qui le disait, et finira donc le 29 janvier prochain et qui mettra bien sûr en compétition 32 nations. La première rencontre a eu lieu, c'était donc hier, la rencontre inaugurale entre la France et la Pologne. C'était bien sûr dans le groupe B, rencontre qui s'est soldée par la victoire de Français sur le score de 26-24. Aujourd'hui, la première journée se poursuit pour ces matchs de groupe. Donc, les différentes équipes vont disputer le premier match de cette compétition. Donc, à partir de 18h, le Chili sera l'adversaire de l'Iran. Le Cap Vert aura pour adversaire l'Uruguay. C'est bien sûr une rencontre entre deux équipes du groupe C. Au niveau du groupe D, il y aura la Hongrie qui affrontera la Corée du Sud. L'Arabie Saoudite affrontera de son côté la Slovénie. C'est bien sûr dans le groupe B. Et puis à partir de 20h30, l'Islande jouera contre le Portugal, une rencontre
comptant pour la première journée dans le groupe D, la Suède jouera face, donc jouera contre le Brésil. Et pour finir, Christian, l'Espagne sera l'adversaire de Monténégro. Ça, c'est bien sûr l'autre rencontre du groupe A. Christian, et c'est tout ce pour sera le tout? Sport de ce matin. Ce sera tout pour ce matin. Oh, oui. D'accord. Merci beaucoup, Ali. On prend rendez-vous demain pour parler bien sûr du Chan qui démarre. Voilà, demain vendredi. Ouais. Rendez-vous pris. Très bonne journée du jeudi à vous. Merci. Ali. Et on se voit jeudi. Demain vendredi. Allez, vous restez avec nous pendant qu'il sonne, je dirais très exactement, 44 minutes après 7 heures. Et bien, dans quelques secondes, il sera 7h45. Nous allons observer la pause pub et on reviendra en plateau pour analyser les grandes tendances publiées par la Sénat hier à l'issue du scrutin législatif du 8 janvier dernier. On verra donc les forces de ces forces qui seront désormais représentées au Parlement. Cette 9e législature, on parle de l'Union progressiste, le renouveau, du Bloc républicain et une formation politique de l'opposition. Il s'agit du Parti Les Démocrates qui seront au Parlement. Et on reviendra pour parler ce matin de cette surprise qu'on appelle les démocrates et voir de notre côté les réactions qui pleuvent, notamment de Parti Force Corée pour un Bénin émergent, les déclarations également de Moël Bénin. Et puis plus loin, on aura analysé ces acteurs qui sont demeurés maîtres dans leur zone malgré la percée des forces ou de la force politique de l'opposition appelée les démocrates. Avec les débatteurs ce matin, analyse de tout ceci. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer où que vous soyez dans le monde les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer où que vous soyez dans le monde les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. h 48, cher monsieur, bonjour, bienvenue sur Actu Matin, le Francis Attali, bonjour. Bonjour Christian. Herman Agnambosou.
Bonjour, Christian. Bonjour, bienvenue. Hakim Essédou, Célie. Merci. Christian, bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Wahab Ali Para, qui en début d'émission nous présentait les gros titres de la presse, et la presse nationale un peu comme nous, hein, qui est revenue sur les grandes tendances des législatives du dimanche dernier, quelques 72 heures après, eh bien, la Sénat a rendu public les grandes tendances, et on connaît désormais les forces politiques qui seront représentées au Parlement, 9e législature. Ça n'a pas raté dans nos analyses, nous l'avons prédit, et ça n'a pas raté. Hakim Essédou, Séni, on a parlé des deux grandes formations de la majorité présidentielle, le Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, et on a parlé également de cette percée du parti de l'opposition, les démocrates, au soir du scrutin. Ouais, hier, quand on portait les gants pour ne pas avoir à devancer la Sénat, du moins ça nous fait taper sur le doigt par la Sénat ou la haute autorité de diviser de la communication, c'est qu'au moins il y avait une constance. La constance, ce sont les partis qui sont dégagés, ou du moins les partis qui ne devraient pouvoir pas prendre place et pas au partage des sièges. On a parlé de l'UDB, on a parlé de Moël Bénin, on a parlé de la force que le point Bénin émergent, et on a parlé dans la foulée de MPL. Et donc, il y avait trois forces qui se dégageaient et qui pouvaient prétendre donc à l'attribution des sièges tout en tenant compte du seuil des 10%. À l'arrivée, en tenant compte de la proclamation qui a été faite hier par le président de la Sénat, résultat provisoire, grande tendance donnée, eh bien, c'est qu'on a bien évidemment compris que les trois partis dont on a parlé, l'Union progressiste, le Renouveau, les démocrates et puis le Bloc républicain, ont réussi à aller même au-delà des 10%. Il y a eu du 24-29%, du 27%, du 36%. Bref, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs plus de 10%. Et la preuve que ces partis ont quand même réussi à faire des scores intéressants. Ça, c'est déjà un élément basique sur lequel on peut s'entendre. Ce n'est pas juste 10%, c'est 10% fois 2 pour certains plus, bien évidemment. Donc, je crois que en termes d'ancrage, en termes de légitimité, ces partis ont véritablement de la légitimité. La preuve, ce sont ces partis qui ont prétendu et qui d'ailleurs sont bénéficiaires des 109 sièges qui ont été partagés, du moins attribués en fonction des scores qui ont été réalisés. Donc, pour le moment, c'est que nous avons premier, deuxième ex aequo, c'est-à-dire quoi? L'Union progressiste de Renouveau, 100 avec 53, 28 pour le Bloc républicain et puis les démocrates. Sur cette base, c'est qu'on doit pouvoir dire que la grosse surprise, le grand gagnant, je dirais, du moins pour le moment de ces législatives, en attendant les résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle, c'est que eh bien, les démocrates se sont très bien comportés. Personne ne les voyait venir, mais ils y sont. Ils vont siéger. Et non seulement ils y sont, c'est que, eh bien, hier, on a entendu, on a lu, du moins, la déclaration du président du parti élu au niveau de la 5e circonscription électorale. Il veut parler donc d'Éric Ondété, qui conteste dans la foulée les résultats qui ont été donnés par la Sénat. Ils prennent les dispositions pour introduire des recours au niveau donc de la Cour constitutionnelle et espérer maintenant que le contentieux soit vidé. D'accord. Et qu'on voit si oui ou non, ils avaient des raisons de contester. Du moins, pour le moment, voilà les résultats qu'on a. On reste là, on reste au niveau de la Sénat. Le Bloc républicain et puis les démocrates. Ce sont les trois partis de la législature qui sera installée le deuxième dimanche du mois de février. Wahab Ali Para. Oui, Christian, déjà nos commentaires ici après au lendemain donc des élections, c'est visiblement cela que la Sénat a proclamé avec ce classement. C'est vrai, quand on tient compte du classement, c'est un peu comme si nous avons l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti démocrates. C'est vrai qu'en termes de nombre de sièges au Parlement, le Bloc républicain et le parti les démocrates sont à égalité, mais en termes de suffrage exprimé ou de suffrage suffrage obtenu sur le terrain, le Bloc républicain a quelques virgules de plus que le parti les démocrates. La surprise est ma foi grande en ce qui concerne le parti les démocrates. C'est vrai, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette forte sensation du parti les démocrates sur le terrain. Pour un premier coup d'essai, n'est-ce pas, ce fut ma foi un coup de maître, premier coup d'essai pour dire que c'est la toute première participation du parti les démocrates à une élection depuis sa naissance, et donc le parti a fait fort. Ce qu'il faut saluer, ma foi, c'est
la tranquillité et le caractère paix que chacun a pu prôner. Vous voyez le parti Les Démocrates, qui est un parti de l'opposition, on proclame les résultats, le parti conteste, mais avec, je dirais, l'élégance qu'il faut. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas des insultes et autres. Le parti estime, n'est-ce pas, mériter mieux que ce que la Sénat a proclamé et a pris le chemin légal qui consiste, n'est-ce pas, à faire connaître, je dirais, son désaccord avec l'institution et saisir l'institution qui est, je dirais, chargé qui est le juge du contentieux électoral. Donc, je pense qu'il y a une certaine élégance. Et vous verrez également des partis qui... C'est ce que nous demandons. On a sept partis qui compétissent. Certains ont eu des difficultés à franchir la barre des 10% et très rapidement ont reconnu leur échec. Vous verrez le président Jacques Ayadji, par exemple, du parti Moël Bénin, qui, c'est vrai, prend acte, ma foi, de son score, remercie les institutions qui ont organisé les élections, de même que ses votants. Vous avez reçu également ce fair play du parti FCBE, parce que nous avons entendu Paul Hongpe depuis hier, qui très rapidement a reconnu les difficultés que son parti a eues, n'est-ce pas, les débauchages et autres qui ont mis en position de faiblesse son parti. Mais le fair play également qui consiste à reconnaître les résultats proclamés par la Sénat, à reconnaître que, bon, il y a un parti de l'opposition qui a fait une percée, je dirais, tranchée, notamment le parti Les Démocrates, que FCBE salue. Donc, ma foi, il y a une certaine reconnaissance de travail fait par les institutions, le défi de la transparence que continue de relever l'institution, notamment la Sénat. La Sénat, oui, justement, on est en train de parler, d'analyser ces différents résultats, et nous allons commencer parler au plus près, aller au plus près et voir de plus près ce qui a bien pu se passer pour que ces formations politiques se retrouvent à enlever des sièges au Parlement. On va commencer par la formation politique Les Démocrates, qui a traversé Mosée Vallée et qui finalement a réussi à se présenter à ces élections législatives. Devrait-on parler de grosses surprises quand on regarde un peu d'où vient cette formation politique qui aujourd'hui devient la toute première force politique de l'opposition, je dirais, en remplacement de la force Corée pour un Bénin émergent qui n'a pas réussi à avoir les 10%, tout au moins. Je crois évidemment que, avant de revenir à votre réponse, permettez-moi de saluer en fait les acteurs qui ont eu en charge l'organisation des élections. Je crois qu'on peut leur décerner un satisfecit. Tout s'est passé dans le calme. Et ça a été du goût, évidemment, du président de la conférence, le président de la CDAO, oui, Ambalé Sissoko, qui est venu, coïncidence pour coïncidence, après son entretien avec Traoré, oui, au Burkina, il est venu voir le président Talon. Et je crois qu'il y avait une mission d'observation qui était là, de la CEDEAO, et qui a suivi le processus et qui s'est réjoui de la façon dont le Bénin est en train de grandir. Et je crois que le président Ambalo avait reçu les commandes du terrain et s'en est réjoui et n'a pas lésiné à exprimer à Patrice Talon, son homologue, que vraiment le Bénin est en train de grandir et que le Bénin pèse au sein de la CEDEAO, pèse aussi au sein de l'UEMOA. Donc le Bénin est en train de renouer avec les bonnes pratiques démocratiques. Premier constat, le seul constat qu'il faut relever, c'est que dans l'ensemble, c'est vrai que les partis politiques ont été sages. Nous avions vu des acteurs politiques qui, évidemment, ont compéti. Même si l'allure est à qualifier d'allure présidentielle, puisque revenant donc aux démocrates, vous avez vu que Boni Yayi a pesé lourd dans la balance. Et c'est une campagne qui s'est faite un peu comme Amoussou Bruno là a eu à le faire, je crois, contre Soglo en 96. Vous vous souvenez que Soglo avait le réflexe de revenir au passé. Hein, lorsque j'étais à la Banque mondiale, et puis ça titillait un peu le passé barbant de Kédékou. Alors, la conséquence, comme le Bénin n'accepte pas la victimisation et opte pour défendre celui qui est victime, vous avez vu que par la suite, c'est que... Amoussou avait dit, quand on regarde dans le rétroviseur, on ne finit pas casser la voiture. Oui, on n'avance pas. Cette fois-ci, Boni Yayi, partout les passés, il dit, mais mon Sokou, habille mon Sokou. Est-ce que j'ai pleuré ou bien je n'ai pas pleuré? Et les gens disent, papa, vous avez pleuré. Alors, il dit, mais donc on doit aller à la rupture de la rupture.
Donc ça a porté. Ce n'est pas les acteurs qui sont autour de Boni Yayi qui ont joué un grand rôle. C'est leur... C'est Laura, en fait, il faut le dire. Je crois que je suis en train de provoquer un peu. Les démocrates ont donc profité de Laura de Boni Yayi. Il faut quand même rappeler que Boni Yayi est le président d'honneur des démocrates. Mais, et le voir aux côtés de ceux-là qu'il soutient, ou bien de sa formation politique. Et donc, ça ne poserait pas problème. Vous savez, il est difficile, en fait, de séparer Laura d'un président, un peu comme ce que l'a été pour la Renaissance du Bénin. UBF. Alors, vous avez vu évidemment que quand les chefs d'État impactent sa porte, en fait, on ne vote pas pour des pays acteurs, on vote en fait pour le chef de l'État. Donc, ici, je crois que si les gens ont voté massivement pour les démocrates, c'est parce qu'on a vu Boni Yayi qui a osé dire. À Parakou, qui n'est pas force courir pour imbéter les gens, il a aussi dit à Savet qu'il est démocrate. Et à côté, j'ai vu le logo. J'ai vu le logo à côté de lui. Donc, il a clarifié le jeu. Ça fait que Moukoué ne pourrait plus rien recevoir. La conséquence, c'est que. On a vu le score réalisé par la force courir pour imbéter les gens. Il y a eu quand même un score qu'il faut saluer. En dépit des petites contestations, une élection reste. Élection. Parce que entre la foule et l'électorat, il faut faire une différence. Vous avez vu dans la 8e, Tchaouroun Dali, Parakou, Perere, on a vu que notre ami, mon frère, aîné, Badamassi a dit qu'il avait bouclé. Bon, par la suite, bon, vous avez vu. Je vais dire en fait que les acteurs sachent qu'une élection peut réserver des surprises. C'est pas des calculs mathématiques. Et les surprises, nous les avons eues. Et les surprises, c'est qu'aujourd'hui, les résultats de la CENA, en dépit peut-être de quelques petits problèmes, parce qu'on a enfermé, je crois, une cinquantaine de personnes qui ont tenté de frauder. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Et il y a en la matière un juge souverain, un juge constitutionnel, qui va connaître des contentieux et qui va situer chaque partie sur les recours qui auraient été introduits. Donc, oui. Faisons en fait la démocratie avec la responsabilité, avec du patriotisme. Alors, les démocrates, oui, on continue de parler de cette force politique qui devient une grosse attraction avec ce résultat réalisé, 24,20%, 28 sièges au Parlement. C'est désormais le rival du Bloc républicain au Parlement, Herman Parfait Alain Bossou, avec le même nombre de sièges enlevés. Oui, Warab l'a rappelé en début de la parole. C'est vrai que sur le nombre de sièges décrochés par ces deux partis politiques, on parle d'ex-écho. Mais quant au suffrage obtenu par ces deux partis politiques, je pense que le Bloc républicain vient avant le parti les démocrates. Oui. Est-ce que c'est désormais un rival du BR au Parlement? Non, je ne vois pas ça sous cet angle-là, puisque quand on suit Fraternité nous a bien proposé une lecture, à savoir la mouvance qui obtient la majorité absolue et donc la majorité paisible, et l'opposition qui s'en sort avec 8 sièges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a vu, le BR et l'UP avant, désormais l'UP le renouveau, au Parlement, les deux ont travaillé à donner à Patrice Talon ce qu'il fallait pour qu'il puisse mettre en œuvre ses réformes. Je pense que ça va se poursuivre encore. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu ce que le président du secrétaire général ou le secrétaire exécutif du parti FCPE a dit. Je pense que les leçons à tirer de ces résultats provisoires proclamés par la CENA, c'est un. C'est de dire que la force groupe bien émergent, c'est vrai, ça ne disparaît pas du landerneau politique, puisque ça a encore des élus municipaux qui sont là et tout et tout. Jusqu'en 2026. Et donc, ça permet désormais à la force groupe bien émergent de mieux se préparer pour affronter 2026, de savoir exactement, puisque Paul Loupé, dans l'interview qu'il a accordée à Canal 3, il dit qu'il a dénoncé certaines manœuvres. Oui. Sans doute qu'il va saisir. Il dénonçait depuis le départ, les débauchages. Sans doute qu'il va saisir les institutions en charge de la pour que ça ne se reproduise pas. Quant au score réalisé par les démocrates, je pense que oui, ça ne surprend pas. Boni Yayi s'est mis dans la danse. On était conscients également. On fait un travail de fond. Est-ce que la discorde ou la divergence entre au sein des partis de la mouvance, est-ce que ça a pu profiter à l'opposition?
Je pense que c'est également des parts d'analyse qu'on peut explorer. Oui, Hakim Ousseini, de cette percée des démocrates, est-ce que c'est le facteur Bouliaï qui a lourdement pesé dans la balance? De toute façon, on ne peut pas dissocier la présence ou l'implication, la descente sur le terrain de Bouliaï du résultat qui a été effectué par le parti. Cela va sans dire, parce que c'est quand même Bouliaï. Et puis, comme je l'avais fait remarquer quand on élaborait avant, bien évidemment, les élections, c'est quand même donné, eh bien, le parti, les démocrates, a compris qu'il fallait sortir le dernier joker. Le dernier joker, c'était Bouliaï. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez entendu le vice-président, je veux parler de l'honorable, Nourina Tchadé, qui a longtemps, et surtout dans les dernières périodes, rappelé que c'est le président Bouliaï, président d'honneur donc du parti, qui s'est investi financièrement pour que le parti puisse être en règle vis-à-vis, je dirais, donc de la caution au niveau donc, je dirais, de la Sénat. Et donc, c'était un élément pesant. Et par la suite, il fallait véritablement apporter la preuve de ce que c'est vrai. Bouliaï a reçu les femmes chez lui. Et après ça, il a fait cette tournée itinérante. Quand on a fait Ketou, Savé, Parakou, Kandi et consorts, et quand on va s'asseoir, par exemple, à Tourou et qu'on vote le jour, le 8 janvier, et qu'entre-temps, eh bien, on a fait passer des messages de paix, tout en rappelant au passage qu'on est partie intégrante du parti et les démocrates, c'est que forcément, ça a pu faire bouger les lignes au niveau donc de ce parti. Mais au-delà de la personne Bouliaï, c'est que, eh bien, s'il faut analyser la percée du parti les démocrates, c'est qu'il faut le voir sous plusieurs prismes. C'est peut-être des lauriers qu'on va dresser au parti quant au comportement des populations. On a l'impression, et d'ailleurs vous n'allez pas me le démentir, que les populations ne sont pas allées voter pour les démocrates parce qu'ils connaissaient, je dirais, les personnes qui étaient sur la liste de candidature au niveau des démocrates. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on a longtemps demandé, ce que le président Patrice a voulu avec la réforme du système partisan, c'était que, eh bien, que le parti soit mis en valeur. Les populations, dans le contexte actuel, sont allées mettre en valeur un parti, c'était le Parti des démocrates. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous jetez un coup d'œil sur les noms que vous avez au niveau des personnes élues sur la liste des démocrates, il y a à peine 4, 5 ou 6 noms qui sont véritablement bien connus, je dirais, de l'endroit politique. Tout le reste, eh bien, ça fait... c'est maintenant qu'on ira chercher à mettre... Un visage sur ces différents noms. Wassangari, ça on le connaît, parce que Wassangari fait partie, je dirais, des têtes de pont du Parti des démocrates, élus au niveau donc de la troisième, la quatrième circonscription électorale. Il était au départ FCBE, mais après il est parti. Exactement. Le fils de l'autre, bien évidemment. Quand on prend Basila Rossi, élu, Basila Rossi, ça fait partie des noms qu'on connaît au niveau des démocrates. Le président Eric Ondete, Nourina Tchadé. Olukubo Habib, au niveau de la 8e circonscription, c'est aussi un nom qu'on connaît. Mais au-delà, c'est que quand vous allez fouiller, vous verrez que dans les 28, c'est à peine, mettons, maximum 10 qui sont des noms véritablement très connus des populations. Donc les populations sont allées dans les unes, pas pour voter pour tant de champions du Parti des démocrates, mais c'était pour voter les démocrates. Parce que, comme je l'ai dit quelques jours avant les législatives, eh bien, les populations savaient pour qui elles n'allaient pas voter. Et donc, on s'est rendu compte que le 8 janvier dernier, les populations n'étaient pas allées voter pour certains partis, mais étaient allées voter juste pour le parti les démocrates. Et quand on va tenter une conclusion, je conclue que c'est une dynamique démocratique qui a gagné sur la dynamique électorale. La dynamique électorale, ce sont les prismes électoraux qui permettent véritablement de faire une analyse. Mais ici, il n'y a pas véritablement des prismes, c'est-à-dire il n'y a pas des éléments... Donc, vous diront qu'on est allé voter contre la gouvernance Patrice Talon. Donc, on vous dit ils sont allés voter contre, je dirais quoi, les partis de la mouvance présidentielle, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que c'est une dynamique démocratique. Le peuple tient à ce que véritablement on est, je dirais quoi, ce que nous avons connu des années en arrière à l'Assemblée nationale, nous avons plusieurs forces politiques. Donc, c'est-à-dire quoi, la présence de plusieurs courants politique au niveau de l'institution parlementaire. Nous l'aurons cette fois-ci. Ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que nous aurons d'autres sons de cloche à côté des sons de cloche de ceux qui légitimement font l'option de soutenir les actions du pouvoir en place. C'est-à-dire quoi? L'Union progressive, le renouveau et puis le parti bloc républicain. Donc, je me dis à l'arrivée qu'il y a eu beaucoup plus la dynamique
démocratique qui a pris de l'ascendant sur la dynamique électorale, et il faut en tenir compte. Mm-hmm. Ça va forcément faire des émules, ça va forcément amener à réajuster. Là, c'est peut-être l'impact, je dirais, de ces résultats sur le comportement ou les comportements à venir de nos hommes politiques. Mais pour l'instant, d'accord, comme on dit que en restant sur ce prisme, il y a véritablement la dynamique démocratique qui a pris le dessus sur la dynamique électorale. Et nous verrons aussi à quoi cela va ressembler quand les députés seront installés, le bureau de l'Assemblée nationale également est installé. Les débats, les grands sujets, comment tout cela sera abordé, en rappelant tout de même que Patrice Talon garde sa majorité au Parlement avec 81 députés. On va y revenir tout à l'heure. Il y a une réaction qui a semblé venir de vous tout à l'heure quand Hakimé s'exprimait. On vous écoute. Non, ils avaient retrouvé une convergence de point de vue avec Hakimé. Lorsqu'il disait que, tantôt, il disait que la dynamique démocratique est en cours parce qu'en fait, on a senti qu'il y a eu un besoin qui s'est exprimé. Oui. La population veut qu'il y ait d'autres sensibilités qui viennent siéger. Non pas que les partis BA et UP soient sanctionnés, mais on veut une pluralité. Un parlement pluriel. Alors là, donc, il faut l'expression plurielle. Je crois que c'est dans une bonne démocratie, comme j'ai souvent pris l'habitude de le souligner, il faut bien une mouvance, mais une opposition qui porte la contradiction pour diversifier en fait les sons, afin que nous puissions évidemment apprécier la pertinence des actions que mène le pouvoir public. Donc je crois que là, c'est cette dynamique est en cours. Maintenant, il faut aller à l'éducation électorale. Ça, là, c'est un pas important. Oui. Et sur le pan, je crois qu'il y a plusieurs observateurs qui l'ont souligné. J'ai suivi Ataï Kenegbe, qui a dit évidemment que ça aurait beaucoup permis d'améliorer le taux de participation. Vous voyez que ça fait 38,66. Oui. Alors que nous étions, en 2019, à 27,12. Oui. On n'a pas encore atteint le taux le plus faible depuis... je crois sur 91. En 91, on avait 52%. Et en 99, on a eu 70%. Bon, on a eu en 2015 66%. Donc, quand on examine les taux, c'est vrai que de 27 à 38, il y a une reprise timide. Donc, il faut l'accompagner avec l'éducation électorale. D'accord. Pour que nous puissions améliorer la participation des citoyens à l'expression du suffrage. Oui, parce qu'à un moment donné, certains ont estimé que c'est parce que l'opposition n'était pas présente dans la compétition, qu'on n'avait pas un fort taux de participation. L'opposition était bien représentée, mais malheureusement, ça n'a pas permis de véritablement améliorer ce taux de participation. Nous allons poursuivre avec le est ailleurs, et c'est ce qu'il souligne là. D'ailleurs, l'autre Francis a tadé l'éducation citoyenne à la participation. Il faudra revoir ça. Alors, allons voir. On reviendra et on parlera dans la même veine de qui sera le prochain chef de file de l'opposition, et ça se dessine d'ailleurs clairement. Mais en attendant, allons continuons d'analyser ces résultats obtenus par les différentes formations politiques. Ce qui est à côté du Parti Les Démocrates, c'est bien sûr le Parti Bloc Républicain. Devrait-on dire que cette formation politique est en perte de vitesse au regard du score obtenu? Wahab Ali Para. Non, perte de vitesse, je ne voudrais pas utiliser cette expression, mais on peut tout de même reconnaître qu'au cours de cette compétition, le Bloc Républicain a eu des difficultés, un peu comme l'Union Progressiste, le Renouveau, parce que la comparaison est à faire entre les partis de l'opposition et les partis de la mouvance. Mais quand vous prenez le Bloc Républicain ainsi, le parti a eu des difficultés dans certaines circonscriptions électorales. Vous citez tout à l'heure la 8e circonscription électorale où il y a de ces gros cylindrés, si je peux me permettre, qui finalement, quand la Sénat a proclamé les résultats, on ne les a pas vus, je dirais, répondre à l'appel. Par contre, il y a de ces acteurs du Bloc Républicain qui ont travaillé à se maintenir en dépit de tout. Vous voyez l'influence que Boni Yayi a apporté, le poids électoral qu'il a apporté au parti les démocrates. Ça n'a pas ébranlé, par exemple, je dirais, la force de frappe de Malik Gomina, par exemple, à Djougou, dans la 13e circonscription électorale, où le Bloc Républicain, sur 3 sièges, a travaillé à enlever 2. C'est-à-dire qu'en dépit de tout, le Bloc Républicain, s'il a été, je dirais, laminé dans certaines circonscriptions électorales, il y a de ces circonscriptions où le Bloc Républicain a bien travaillé. Un peu comme dans la 3e circonscription électorale également, avec Batlemi Kassa. Le travail qui est fait
pas Barthélemy Kassa dans la troisième circonscription électorale. C'était un travail monstre. On s'entendait même à beaucoup plus que ça. Mais toujours est-il que, comment dit Barthélemy Kassa, ça n'est sorti, s'il faut le dire, Ça fait pour le Bloc républicain, trois sièges sur trois. C'est-à-dire que, comment dit, le Bloc républicain est bien assis. Le cheval est bien cabré à ce niveau. Et quand vous prenez la 20e circonscription, je prends pêle-mêle comme ça, hein, c'est vrai, le Bloc républicain a été mis en difficulté, comme on le souligne, mais à Koma, Mathias Kouanou, ça n'est également sorti. Donc, c'est dire que... Il a réussi à sauver son siège. C'est dire que, bon, le Bloc républicain, en dépit de tout, on ne peut pas dire être en perte de vitesse. Non, je ne suis pas trop d'accord avec cette expression, mais on sent qu'à des endroits donnés, le cheval a tangué, mais il est resté énergétique. D'accord, oui, Akibé, où c'est dit parce que le Bloc républicain est en perte de vitesse. Non, il y a une situation au niveau du BR, il faut le reconnaître. La législature qui est en train de finir, c'est 47-36. Je crois que c'est un peu ça. Quand on tient compte de ça et qu'on se rend compte qu'il y a une augmentation, donc on est passé à 109 avec donc les 24 sièges pour les femmes, c'est qu'il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a que le Bloc républicain à regresser le compte de cette législative. Perte de vitesse, ça a l'impression d'être un peu trop ronflant, donc un peu blessant, bref, mais c'est qu'il y a quand même eu une contre-performance, pour dire les choses comme ça au niveau du BR. Et c'est au nom de cette contre-performance qu'il faut saluer alors les acteurs qui ont travaillé à maintenir, je dirais quoi, le cap, et donc à donner de l'allant au parti. Parce que si ces acteurs n'avaient pas fait ce travail dont on parle ce matin, qu'on salue ce matin, c'est qu'il aurait eu complètement, je dirais quoi, ce qu'on peut appeler un grabuge au niveau donc du parti républicain. C'est au nom des performances de ces acteurs dont parle Wahab, par exemple au niveau de la 13e, le travail abattu par Malik Sebougoumian, parce que c'est déjà deux sièges enlevés. Surtout. Parce que dans la 13e, il fallait d'abord avoir affaire à l'Union progressiste, le renouveau. Il fallait gérer l'assassinat de Djimba au niveau de la 13e. Et maintenant, gérer, comme je l'ai dit, la dynamique démocratique, donc les LD qui étaient sur le terrain. La preuve, c'est que LD enlève un siège au niveau de la 13e. Et le Bloc républicain, par l'entremise de Malik, enlève deux sièges, son siège et le siège de la femme, bien entendu. Donc, je crois que c'est le travail que ces derniers ont fait sur le terrain. Je dirais que c'est l'ancrage qu'ils ont donné aux partis politiques dans leur circonscription électorale. C'est la manière dont ils ont conduit, je dirais, la troupe. Ce sont les éléments de langage utilisés sur le terrain qui ont milité en faveur du score qui ont été réalisés par ces derniers. Dans la 13e, par exemple, Wahab l'a dit, dans... Et la troisième circonscription, bien évidemment. Parce que là aussi, je crois que quand il faut faire ces analyses, je dirais de quoi, des performances réalisées par certains partis politiques, il faut tenir compte, je dirais, des forces en présence. Quand vous prenez la troisième circonscription, c'est non seulement l'Union progressiste, le renouveau, c'est aussi le BR et c'est bien évidemment les autres forces politiques dont on a parlé. Sur place, c'est quand on fait recours aux dernières élections municipales, c'est que eh bien, le Bloc républicain n'était pas le mieux positionné, le mieux en forme au niveau de cette fonction. Donc il y a eu comme, je dis quoi, un travail de remobilisation qui aurait certainement été fait par le candidat Kassa Barthélemy et qui a permis donc au Bloc républicain d'enlever trois sièges au niveau donc de cette circonscription. Trois sièges sur trois. Un siège pour l'Union progressiste, le renouveau par la première. Oui, justement, par nos domiciles. Mais trois sièges, donc sur quatre. Le Bloc républicain par trois sièges. C'est à l'actif alors du travail qui a été abattu par le député Kassa et Barthélemy et qui donc a permis à cette formation d'avoir ce nombre de sièges. Vous voyez, quand on prend trois, quand on ajoute deux, Christian, ça fait cinq. Cinq dans 28. Ah ben ça fait 23 entre-temps. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas eu ce travail qui a été effectué par ces derniers, c'est que certainement, on serait en train de dire aujourd'hui que on aurait même eu le courage de dire, carrément, comme vous l'avez dit, qu'il y a une perte de vitesse au niveau du Bloc républicain. Donc, je crois que les leçons à tirer, c'est que le Bloc républicain doit travailler à se remobiliser dans certaines zones, notamment la 8e, mais où les populations espéraient voir le Bloc républicain mieux se comporter. Mais ce n'est pas une surprise, hein, au niveau de la 8e. La 8e pour, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, ce n'est pas une surprise. Retournons d'abord aux dernières élections municipales. Vous vous rendez compte que d'abord, la force que le PNB émergent s'était imposée comme la première force au niveau de cette... d'abord de la ville de Parakou, tout court la ville de Parakou. Et vous avez vu que c'est parce qu'elles ont fini par se tirer entre les pattes, je veux parler de FCBE, la mouvance présidentielle, par l'entremise de l'accord de gouvernance, a récupéré la mairie de Parakou.
vous remontez à Tchaourou, vous remontez à Péré, vous remontez à Andali. Et le positionnement qui a été fait, je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les analyses, mais il y a des éléments qui ont concouru au comportement des électeurs. Oui, déjà, à partir des positionnements, les gens ont vu les réactions. Il y a déjà eu un problème. Les gens n'étaient déjà pas d'accord avec le positionnement qui a été fait. Ça n'a pas été revu. Et ça n'a pas raté. Oui. La preuve, c'est que, voilà, eh bien, les démocrates s'en sortent avec 3 sièges, plus 1, ça fait 4. C'est-à-dire qu'ils prennent le siège de la femme. On laisse un siège à l'Union progressive, le renouveau, et finalement, un seul siège enlevé par le Bloc républicain. Donc, c'est carrément, je dirais, c'est de l'estocade que les démocrates ont porté aux deux forces de la mouvance présidentielle au niveau, donc, je dirais, de la 8e circonscription électorale. Donc, il y a des personnalités politiques comme ça qui ont fait un travail formidable. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître pour Malek Sebougoumina au niveau de la 13e, c'est avoir le courage de le dire. Au niveau de la 3e, c'est un vieux routier qui a conduit la BAC et qui finalement a réussi à renverser la tendance pour être donc maître des lieux. En dehors du BR, si vous permettez, on peut remonter au niveau de l'Union progressiste. On va y revenir. On ira au cas par cas pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu. J'aimerais dire cette réflexion. Mais écoutez, c'est vrai, il y a contre-performance. Mais il faut voir les déterminants de vote. Oui, c'est tout à fait. Parce que quand on voit les déterminants de vote, il y a le vote solidaire et le vote solitaire. Le vote solidaire, c'est que l'électeur s'identifie à un groupe. À un groupe, tout à fait. À un parti, à sa région, à son ethnie, à sa zone d'appartenance. Et ici, vous savez qu'il y a une partie du Bénin où, quand on dit FCBE, c'était écrit dans la mémoire, dans l'inconscient même des gens, que c'est Boni Yayi. Alors, le fait que Boni soit sorti, le président Boni Yayi soit sorti, pour clarifier le jeu, les gens ont gommé et désormais, ils ont inscrit dans leur logiciel LD. Oui. Ça justifie en fait les performances des démocrates. Premier constat. Si on constate, le vote solidaire que nous voulons, parce qu'il n'y a pas de vote solidaire, hein, parce que ce n'est pas la solidarité à Boni Yayi que de nombreuses personnes sont allées sur ce comportement. D'accord. Le vote solidaire, en fait, qui est le vote utile, qui suppose que chaque citoyen apprécie le candidat en face, celui pour qui on veut exprimer son suffrage, ou le parti. À partir de ses performances, à partir de ses résultats, à partir de sa capacité à animer, à porter les choix, ce vote-là n'est pas encore suffisamment avancé au Bénin. Il n'y a que dans les milieux un peu scolarisés, l'élite qui analyse, qui apprécie. Or, l'élite, bon, en proportion, en pourcentage, l'élite fait combien? Vous savez que nous sommes une population majoritairement analphabète, même si analphabète ne voulait pas dire bête, mais il faut dire que quand on donne une consigne, le vote solidaire a pris le pas sur le vote solitaire. Et il en est de même pour BR, pour UP. Les gens ont voté parce qu'on a vu le grand talent à travers ses réalisations. Et on veut bien l'accompagner. Il faut poursuivre la dynamique. Il ne faut pas arrêter la dynamique. Parce qu'on a vu que le Bénin est en train de se transformer. Et dans ces conditions, c'est les facteurs explicatifs, en fait, de ces votes. Et il est difficile de dire que parce qu'on a rassemblé une foule, parce qu'on est monté sur un cheval cabré, et que les gens ont tapé, tam-tamé, gongonné, dansé. Mais la réjouissance, écoutez, la fête, hein, ce n'est pas de la discrétion. C'est dans la masse. Donc tout le monde prend ça. Enfin, vous prenez votre partie de plaisir là où vous le trouvez. Ouais. Et dans ces conditions, quand ils ont pris leur partie de plaisir, c'est fini. Après, dans l'isoloir, l'électeur, il est seul. Il va estampiller comme il veut. Donc il faut éduquer, peut-être. Je reviens encore à l'éducation électorale qui doit aider le Bénin à gagner dans la dynamique démocratique. Mmh. Nous devons être un modèle. Nous devons continuer à enseigner à l'Afrique et à l'humanité, puisque même dans les grandes démocraties, on a compris que la démocratie n'est pas un fleuve tranquille. Oui. Comme ça a été au Brésil, comme vous l'avez vu aux États-Unis, et je crois qu'ils sont en train de gérer encore les situations électorales. Alors, on est tenté de dire que l'arrivée de certaines formations de l'opposition dans cette élection, notamment les démocrates qui ont réussi à enlever les sièges, a un tant soit peu bousculé l'ordre préétabli. Herman Parfianian Moussou, même si, entre-temps, vous avez un tant soit peu insisté sur le fait que, bon, les scores réalisés, il ne faut pas les comparer forcément au nombre de sièges enlevés, c'est-à-dire quand même que l'arrivée des démocrates a bousculé
le bloc républicain dans certaines régions du pays, notamment dans les collines et dans beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut déjà parler d'ordre préétabli? Quand on parle de cette deux formations politiques, une procédure de renouveau et le bloc républicain, c'est vrai que c'est composé d'acteurs majeurs de notre pays, mais c'est des partis politiques qui sont encore très jeunes en termes de fonctionnement. Donc, ordre préétabli, non, moi je ne raisonne pas en ces termes-là. Je me dis, le jeu a été ouvert. On a sept partis politiques qui ont préparé ces élections législatives au lieu des deux qui ont préparé à 2019. Et donc, forcément, la donne a changé. Il faut peut-être attendre d'autres rendez-vous pour voir si le BR et l'UP vont continuer pas à conserver leur suprématie. Parce que ce qui a été surprenant pour moi, c'était qu'à l'issue de la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, qu'on nous dise par exemple que l'UP Le Renouveau n'a pas obtenu les 10% et donc que c'est désormais d'autres partis politiques qui participeraient à la répartition des sièges. Donc, ça veut dire que les deux partis politiques qui ont été taxés de partis godillots, de partis farfelus et tout, de tous les noms, ont quand même réussi à montrer aux Béninois et à la face du monde que oui, ils ont mérité leur élection en 2019. Et donc, oui, que les démocrates s'ajoutent à eux, il faut compter également avec le soutien de Boni Yayi qui est allé sur le terrain. Mais il y a des ténors dans certaines zones qui ont réussi quand même à conserver leur suprématie. Mmh. Quand on parle de Barthélémy Kassa Daouga, qui a même laissé la troisième et allé prêter main forte à Blaye Gounou dans la quatrième circonscription électorale. Mmh. Et donc, les résultats, ça n'a pas menti. L'homme, ça veut dire que l'homme maîtrise son terrain. Malik Abdoul Seibou également qui a réussi même à emporter avec lui la femme, le siège de la femme. Je pense que ça montre quand même que des ténors ont réussi à faire le jeu. Dans la 16e circonscription électorale également, vous voyez une Chantal Haïe par exemple qui a réussi à tirer son marron du feu. Parce que justement, là, vous voyez là, le président du parti politique non progressiste de l'Europe... Ça a été chamboulé. Quand nous allons venir dans la 16e, voilà. Non pas dans la 16e, quand on va parler de l'Union progressiste de l'Europe, regardez, on verra ces acteurs hein, qui, en tout cas, ont réussi à se faire élire sur le fil. Oui. Et à mon avis, un bossou. Et c'est la transition pour aller dans pour parler de l'Union progressiste, le renouveau, qui reste la première force politique du Bénin à l'issue de ces élections. Devrait-on dire que c'est un parti qui est bien ancré sur le territoire national avec ce score réalisé? Il faut le rappeler, hein, ça fait 928 947 voix. C'est 37,56% avec 53 sièges. Hakimé Ousseni, la première force politique, et cela incontestablement. Oui, les résultats font en ce moment de l'Union progressive de renouveau la première force politique au plan national. Et toutes les formations ont vocation à être des partis politiques envergure nationale. Et c'est pour ça que vous avez vu un peu dans les déclarations qui ont suivi la proclamation des résultats provisoires par certaines responsable de partis politiques, c'est que eh bien, l'adresse de la salutation est allée à l'endroit des militants et militantes des partis disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes 56 000 pour Moël Bénin et l'Union Progressiste, je veux parler de MPL également, qui n'a pas été seulement qu'à Cotonou, qui a eu des votants un peu partout au plan national. Bref, il y a quand même cet élément sur lequel on peut s'accorder, c'est que nos partis aujourd'hui ont compris qu'il faut avoir une envergure nationale pour véritablement faire des scores intéressants. L'Union progressiste, le renouveau, c'est qu'il faut ajouter forcément que ça n'a plus l'UP seul, comme ça a été le cas par le passé. Mmh. Il y a eu ce greffage avec le bloc et le parti du renouveau démocratique, donc pour en faire l'UPR. Et c'est ça d'ailleurs qui a été à la base, je dirais quoi, des réajustements en termes de positionnement au niveau de certaines circonscriptions électorales. Et quand on jette un regard, je dirais, sur cet attelage, c'est comme nos analyses en son temps présageaient de ce que, eh bien, dans certaines zones de ce parti politique, les scores seront des scores écrasants. Et la 16e, la 15e, surtout la 15e. La 15e, parce que dans la 15e, par exemple, au niveau de l'Union progressiste du renouveau, le titulaire élu, c'est bien Koglevi. Et après Koglevi, c'est que nous avons le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotayon, qui d'ailleurs a été tout le temps élu dans cette circonscription au fort moment du Parti du Renouveau démocratique. Après lui, nous avons le professeur Badiru Aguemon, également très souvent et régulièrement élu au niveau, je dirais, de cette 15e circonscription électorale. Et c'est après que nous avons donc
au niveau du siège de la femme, Madame Fagla. Et quand vous interrogez les résultats, vous vous rendez compte que eh bien, ce n'est qu'un seul siège que l'Union progressiste du renouveau a réussi à enlever dans la 15e. Ça pose un problème. Comment est-ce que ça peut se passer pour que, eh bien, sans l'attelage PRD, du moins on me dira qu'en son temps, c'était peut-être comme un match amical, peut-être en griffe, mais c'est que, eh bien, quand il y a compétition et qu'on a alors le PRD comme, je dirais, parti désormais fusionné dans l'Union progressiste, c'est que, eh bien, les analyses donnaient une certaine grande longueur d'avance au parti l'Union progressiste du renouveau. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'attelage d'avec le PRD n'ait pas donné les résultats que d'aucuns auraient voulu avoir? Malheureusement, eh bien, la question, c'est que eh bien, ça fait piche. Au niveau de la 16e circonscription, là aussi, vous voyez un peu l'attelage, le positionnement qui a été fait. C'est le président du parti, Christian, qui est premier titulaire. Oui. Deuxième titulaire, c'est Nombimé. Qui est deuxième titulaire, troisième titulaire, le ministre des Sports, quatrième titulaire, un député. En fonction, je parlais de Tchao, bien évidemment. Et puis ensuite, le siège de la femme à la secrétaire administrative du parti, je parlais de Christelle Mundondombo. Et puis en face, de grosses figures. Et dans ces deux circonscriptions électorales, ça fait 9 sièges au total, c'est que le parti, les démocrates, enlève 3 et enlève 4. Ah, mais là, ça veut dire que ce parti a fait très fort. Oui. Et donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en parler. Il faut forcément, aller sur les implications de ces résultats-là au niveau, je dirais, des comportements futurs et je dirais, de l'animation future de ces différents partis politiques qui, a priori, aurait quand même donné l'impression d'avoir, je dis, les leviers pour pouvoir jouer et bien jouer au niveau de ces différentes circonscriptions. Malheureusement, ça fait piche ici. Quand ça fait piche au niveau de la 16e et au niveau de la 15e, en parlant donc de l'Union progressive du renouveau, c'est qu'il faut alors reconnaître que, par exemple, les meilleurs scores que l'Union progressive du renouveau a réalisés, c'est par exemple dans la 6e circonscription électorale, et Soava, Zé et puis Abomey-Calavi. C'est par exemple dans la 5e, Ouida, Pomassé, et puis à l'ADA, c'est par exemple dans le Monokoufo. Parce que quand vous faites un peu un point, vous vous rendez compte que c'est dans ces différentes zones. Et maintenant, on redescend dans la 20e, où vous retrouvez Avrankou et les autres communes, avec bien évidemment Augustin Romain et Bla. Et puis, et mieux encore, ce qui m'intéresse au niveau des scores qui ont été réalisés par l'Union progressive, le renouveau, c'est qu'il y a eu un savant dosage qui a été fait dans la première. Oui. Vous ne me demanderez pas à Tadé. On amène un jeu au niveau de la première, l'Abbé Amadou Dibré, de la commune de Kandi. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il a une certaine onction d'une certaine jeunesse, convaincu du travail qu'il a bas en termes, je dirais, d'apport sur le plan de développement. Et on positionne un vieux routier de la classe politique. Je veux parler de Issa Salifou, qui est là depuis la 4e et législature. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malgré qu'il y a eu la présence Bouniaï dans la commune de Kandi, parce qu'il est passé par là, il faut le dire au passage, c'est que ces deux messieurs, je veux parler de l'Abbé Amadou Dibré et Issa Salifou, ont réussi véritablement à travailler, à convaincre les populations de l'offre de législature de leur parti politique. À l'arrivée, ils enlèvent leurs deux sièges. Et le premier siège par l'Abbé Amadou Dibril, le second par Issa Salifou, et ils emportent avec eux le siège de la femme qui est revenue à Djamilat, qui se trouvait être la première adjointe au maire de la mairie de Malanville. Donc, en gros, je crois qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels il faut forcément mettre le doigt pour pouvoir expliquer le comportement des populations. Et puis, bien évidemment, je dirais, la performance des partis politiques au niveau de certaines circonscriptions, en tenant compte, comme on l'a dit c'est un levier qui ne manque pas de pertinence et qui doit forcément influer les comportements futurs des partis politiques. Et le comportement futur, c'est à partir de cet instant, juste en 2026, où Arab Ali Parra, c'est vrai que lorsqu'on élaborait, lorsqu'on parlait des positionnements sur les différentes listes, il y a quand même certains visages que nous avons mis en exergue en son temps, en le disant, sans nous tromper, que ces acteurs politiques avaient quand même la même mise sur leur région, sur leur population et autres, et ça n'a pas loupé. Ou ça a été bien fait, ça n'a pas raté.
Oui, en fait, nos analyses manquaient pas de pertinence au moment où on les faisait. On les faisait, mais il y a eu, je dirais, des variables, il y a eu des réalités nouvelles et il y a eu des surprises également. Tout à l'heure, vous demandez si l'Union progressiste est restée la première force. Si on s'en tient au résultat, n'est-ce pas, l'Union progressiste, le renouveau reste la première force politique, mais avec des réalités nouvelles, avec des endroits où ce parti, n'est-ce pas, a été laminé, où ce parti s'est vu également essoufflé, parce qu'on disait que une chose est d'être une première force, mais la seconde chose et la chose la plus importante, c'est de maintenir le cap. Le parti a réussi à maintenir le cap, mais on a noté que à des endroits donnés, surtout à l'approche des élections, les questions de fusion, les questions de démission, de ralliement, d'adhésion et autres n'ont pas porté le fruit attendu. Vous imaginez qu'il y ait des fiefs qui sont qualifiés de fiefs traditionnels du parti de le PRD, le parti du renouveau démocratique, qui a fini par fusionner avec l'Union progressiste. Ça devait être une énergie de plus à ce parti Union progressiste, le renouveau. Mais on note que dans une 15e circonscription où un certain Raphaël Accotagnon se lisait de façon traditionnelle, il soit positionné cette fois-ci au côté de son nouveau parti et ne puisse pas s'en sortir. Il y a un véritable problème qui s'est posé à ce niveau. Et même dans un bureau de vote où le président de ce parti, l'Union progressiste, le renouveau, s'en va voter, n'est-ce pas, il est battu déjà dans son propre bureau de vote. Je crois que quand on tient compte de ces analyses, il y a eu des difficultés pour le parti Union progressiste et que l'arrivée du parti Les Démocrates en est arrivée à faire basculer beaucoup de choses. Vous parlez de l'ordre établi. Je me demande qui a établi cet ordre. Il y a les surprises, n'est-ce pas, que les populations, les votants et les militants nous apportent. Et donc, quand on fait le résumé, on note tout simplement que oui, il y avait eu tambour battant avec les expressions de adhésion, de fusion et autres. Mais le résultat que cela devra, le plus que cela devrait apporter, on ne l'a pas eu. Et c'est ça qui a mis en difficulté le parti dans certaines circonscriptions électorales. On connaît quand même l'ancrage du parti du renouveau démocratique. Oui. Ce n'est pas négligeable. Oui, ce n'est pas négligeable. La preuve, c'est que le parti, comme on l'a dit, reste la première force. Mais attention, nous partons de 83 députés, à 109. Oui. Mais vous voyez là où c'est limité. C'est le 24e de femmes qui sont réalisées. Oui, je ne refuse pas. Mais attention, ça devrait donner, n'est-ce pas, parti. Si tant est que le parti a travaillé, n'est-ce pas, à maintenir ce cap de façon formelle, les difficultés rencontrées, ou même le président du parti a été mis à difficulté, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi se dire qu'il y a eu de nouvelles donnes, de nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte et réajuster les choses. Je crois qu'en fait, quand j'ai suivi les résultats, j'ai été à la fois heureux et interloqué. Heureux que l'Union progressiste de renouveau ait maintenu le cap. Vous avez vu qu'en fait, la réforme a été actée pour que nous ayons nos clans ensemble. Le chef de l'État a indiqué même des voix à des partis satellitaires qui disent l'accompagner. UDBN, Moël et autres, qui ont voulu jouer, évidemment, et tester évidemment, leur popularité en allant à ces élections. Je crois que les conclusions se dégagent. Ces partis doivent aller maintenant à la fusion. Mais par rapport à l'Union progressiste, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que le patriarche n'est pas sorti à Moussou Bruno. Qu'est-ce qu'il a eu? Moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'il est un peu malade, c'est un état de santé. Mais il est allé quand même accomplir le vote. Ouais. Et le jour du vote, vous avez vu son... Ses propos, son discours, oui. Mais c'est assez clair. Je n'ai pas fait la campagne, mais j'ai eu le compte rendu du terrain. Nous avions entrepris quelque chose depuis 90, les principes démocratiques universels. Nous sommes en train de les enraciner dans un modèle qui est notre. Je crois que là, il a tout dit. Bon, maintenant, en 2019, je l'ai vu partout. Peut-être que son absence a dû pénaliser plus ou moins l'Union progressiste. Il faut dire en fait que... Mais ça ne s'est pas ressenti dans sa zone. Non, mais parce qu'en fait, il est dans sa zone, c'est difficile de le battre. Et vous pensez qu'il aurait pu faire un peu comme Boni Yayi, quitter sa zone, circuler, aller un peu partout? Je ne fais pas le procès. Vous avez vu que Oumoubedi est quand même sorti. Sorti, oui. Ben, il aurait pu peut-être, je ne sais pas, que les gens le voient sortir une fois, ne serait-ce que pour savoir que ça n'a pas il est toujours là. Rage, bon, en fait, pas, bon, peut-être qu'il s'est retiré pour ne pas faire ombrage à Djokbeno. Bon, je ne veux pas dans les guéguerres, mais il y a eu des contradictions internes.
propre partie, dans le cadre du positionnement. Vous avez vu, ça n'a pas été facile. Tout ça a dû jouer contre eux. Et vous savez que l'Union progressiste, en fait, dans la 16e, la 15e, en fait, son mariage, sa fusion avec, avec le PRD, le PRD devait lui permettre de ravir, en fait, le maximum de sièges. Et au niveau de la 16e, c'est que vous avez vu, il y a un acteur dont je vais taire le nom, mais qui a communiqué contre l'Union progressiste. Et a dit que Djokovic ne peut pas, puisque en 2015, c'est la remorque de l'Union Fédération qui les a portés et que Djokovic était dans son dos. Bon, vous savez de qui je parle. Ouais. Alors, dans cette condition, vous avez vu, il est allé sur le terrain. Il a même communiqué contre Guy, qui était son fils, non, son filleul. Alors vous avez vu que tout ça, peut-être, ça a créé la confusion dans la tête de l'électeur. En général, les électeurs choisissent avant le début de la campagne. Ouais. La campagne ne vient que pour peut-être situer quelques sites. Si. Mais oui, si. En général, le Bénin, en fait, au Bénin, ici, on a constaté que en fait, les choix se font déjà. Mais est-ce qu'il est dedans? Parce que dedans, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas aller à la campagne. Ils iront voter pour lui. Ils ont voté pour son parti. Donc, si on s'en tient à cela, on peut dire que, certes, l'Union progressiste a fait des progrès, parce qu'on est passé de 47 à 53 députés. C'est pas peu, mais en fait, c'est 109. On est passé de 83 députés à 109 députés. On peut dire que c'est des performances, mais peut mieux faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la 16e? C'est ça, je vous ai dit. Oui. Mais ça permet, en fait, le chef de l'État a fait jeu libre. Baptiste Dalon a été transparent. Peut-être qu'en 2023, il va porter peut-être plus de blanc qu'il n'en faut. En 2023 d'abord, pour inaugurer 2026. Oui. Parce que ça va immaculer un peu aussi la gouvernance. Il sait qui est qui. Les acteurs qui sont autour de lui, il a le temps maintenant d'apprécier le poids de chaque parti, le poids de chaque acteur politique qui tourne autour, parce qu'autour du chef gravite des gens, parfois qui sont corporellement ensemble, ou de quoi, mais cordialement distants. Bon, et ça aussi, ça pénalise les partis politiques. Et alors, nous devons aller, j'ai constaté qu'au niveau des blocs, les gens continuent encore d'avoir l'idée de leur ancien parti. Je dis, ah non, mais ça là, celui-ci, il est allé avec tel groupe. Donc, on n'est pas encore allé à l'homogénéité au sein des blocs. Il faut qu'on travaille à cela. Justement, et ça va permettre d'avoir des résultats plus parlants. On est en train d'analyser la force de cette formation politique. Synthèse, oui. C'est que bonne performance, oui. Mais peut mieux faire. Bonne performance, mais peut mieux faire. Herman Parfait, Annie Boussou, allons voir un peu de plus près dans certaines circonscriptions électorales. Vous savez que l'Union progressiste est devenue Union progressiste le renouveau, grâce à l'arrivée du Parti du renouveau démocratique. Mais je vous emmène dans deux circonscriptions électorales où on sait que le Parti du renouveau démocratique est bien ancré. Dans la 19e circonscription, l'UP a réussi à avoir trois députés avec le siège de la femme, le Parti Bloc Républicain, un siège, et puis les démocrates, deux sièges. Dans la 20e circonscription, l'Union progressiste le renouveau à quatre sièges, le Bloc Républicain 1 et les démocrates 1. Allons voir de plus près au niveau de la 19e circonscription électorale, comment les démocrates ont-ils réussi à avoir deux sièges, alors qu'on sait que le Parti du renouveau démocratique est bien assis. Si vous le voulez. c'est difficile de faire ces analyses dès lors que il y a un isoloir, hein, et même à l'Assemblée nationale pour désigner le président, même à bulletin secret, tout peut se passer. Pour revenir un peu sur ce que Atali a dit, l'homogénéité au sein des formations politiques, ça fait défaut. Aujourd'hui, il est difficile pour les chefs de partis politiques de pouvoir faire un petit bilan, de pouvoir s'asseoir et se dire à quel niveau ça n'a pas marché. Parce que justement, il y en a qui, en plein processus électoral, ont démissionné de leur formation politique. Il y en a qui ont conduit la barque, qui étaient dans la barque, mais qui étaient porteurs de couteaux à bout pointu et qui étaient prêts à faire chavirer la barque. Vous savez, donc, c'est difficile aujourd'hui de se dire, de s'expliquer comment, dans la situation électorale, l'UP, le renouveau, et donc l'UP avec le PRD, n'est pas pu rafler tous les sièges. Ça devait être une citadelle. Malheureusement, il se fait que... Dans la 15e, pareil. C'est aussi ça le déterminant. C'est l'élément qui un peu est venu modifier les choses. C'est l'arrivée des démocrates dans le jeu. Est-ce que ceux qui ont voté pour les démocrates sont-ils des militants démocrates
où ce seraient des militants UP, des militants BR qui n'ayant pas trouvé leur cause défendue là-bas, ils ont dit, bon, écoutez, c'est le moment pour nous de leur marquer le coup, on va voter. Parce que justement, ce qui s'explique pas sur le terrain, c'est qu'on dise par exemple que l'opposition a eu 28 sièges et qu'il n'y a pas eu de liesse populaire. C'est-à-dire qu'on a vu personne manifester sa joie pour dire oui, nous avons choisi. C'est à croire que ceux qui ont voté, c'est pas forcément les militants LD, les démocrates qui ont voté, mais c'est que des éléments de cette formation politique-là qui ont voulu marquer le coup en se disant on va faire en sorte qu'il y ait une autre son de cloche au Parlement. L'un mis dans l'autre, ce que moi je note à l'issue de ces élections, c'est qu'aucun parti politique n'a eu 0,000%, au moins tout au moins 1%. Et quand je prends la toute dernière formation politique, l'UDBN, on a constaté également qu'à ce niveau, Claudine Puinessio, sans doute, parce que désormais président de l'INF, n'est pas allé sur le terrain. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu batailler, on ne l'a pas vu. Il n'y a eu que des jeunes qui sont sur le terrain. Ils ont réussi à avoir 26 000 voix. Je pense que pour une formation politique, et c'est là que je ne veux pas forcément attendre quand il dit que ces deux formations doivent désormais fusionner. Non, je pense que nous sommes d'expérience en expérience et il faut peut-être laisser encore les partis politiques vivre d'expérience pour savoir tirer les conclusions. Nous avons moins de 15 minutes avant la revue de presse. Donc, alors qu'on a beaucoup d'autres aspects à aborder. Oui, allez-y. J'aimerais dire à Eman, en fait, que dans l'esprit même de la réforme, le chef d'État avait voulu d'un seul bloc. Et il s'est fait que les acteurs n'étaient pas prêts à accepter. Chacun voulait créer, donc on en est venu à deux. Et comme les partis politiques disent accompagner le chef d'État, et que le chef d'État a indiqué les blocs qui l'accompagnent, en principe, il faut aller à la fusion. Je crois que dans une famille, il peut avoir des enfants. Patrice Talon n'a jamais indiqué les blocs qui l'accompagnent. C'est juste que les blocs ont réussi à affirmer une certaine suprématie. Et donc aujourd'hui, on se dit, c'est l'UP et le BR. Mais lui-même, il est allé à un congrès de Moël Bénin, à un congrès de l'UDBN, à un congrès de POU, dit qu'il va les porter en triomphe. Et c'est déjà heureux. Man, c'est déjà heureux que nous n'ayons que cette partie politique. J'ai l'opportunité au moins d'assister à des plénières où le chef d'État a discuté avec les partis qui l'accompagnent. Et je sais qu'au moins, au niveau du Bloc républicain, il a, avant que le bloc ne soit mis sous les fonds baptismaux, il a œuvré à ce que les textes soient clairs. Je crois que le chef de l'État ne se met jamais en. Et j'ai dit en fait que quand on veut accompagner, accompagnons le chef de l'État, ceux qui veulent l'accompagner, en bloc, unitaire, pour que nous puissions aller à une simplification du paysage et qu'on ait une mouvance qui accompagne ça aussi, une opposition. Est-ce que vous imaginez, M. Attalé, que ce soit seulement l'UP le renouveau qui soit partie de la mouvance et que ça aille aujourd'hui contre les démocrates? Vous imaginez ce que ça aurait pu créer au Parlement? Voilà pourquoi je parlais d'un débat. Aujourd'hui nous avons. Allons-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Akibé. La piste d'analyse de Francis postule aux implications des résultats et des provisoires qui ont été proclamés sur le comportement futur et la vie future des partis politiques. De toute façon, Moël Benadi a annoncé les couleurs. N'espérez pas que tout de suite, eh bien, qu'on dise parce qu'on n'a pas fait un bon score, eh bien, on fusionne. C'est une offre qui a été vendue, les populations ont adhéré à un pourcentage donné. Il va falloir réajuster pour davantage convaincre pour d'autres rendez-vous électoraux. Et donc, du coup, bon, et nous ne sommes pas dans la dynamique où, parce que pour un premier coup d'essai, ça n'a pas donné, il faut rapidement se confondre dans les autres parties de la mouvance présidentielle. Constatons ensemble, Christian, comme vous l'avez dit, qu'au niveau de la 19e, l'UP prend 2 avec le siège de la France, ça fait 3, 2 pour LD et puis 1 pour le Bloc républicain. En gros, c'est que dans toutes les grosses agglomérations, dans toutes les grandes villes, les démocrates ont été présents. C'est ce qu'il faut dire, remarquer. Ça fait 3 plus 3, ça fait 6 au niveau de Cotonou. 15e et 16e mises ensemble. Ça fait 2 Porte-Novo, villa statut particulier. Ça fait 3 Parakou, villa statut particulier. Ça fait 2 sièges à Porte-Novo et je dis à Mekalavi, villa statut particulier. C'est un siège à Dougou, ville d'importance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je crois que dans l'autre des cas,
c'est qu'il faut forcément que, de façon sereine et froidement, que les différents partis politiques analysent les résultats qui sont sortis des urnes pour des réajustements futurs, si réajustement il doit y avoir. Mais c'est qu'il faut constater que, soit dans certaines zones, certains mal positionnés n'ont pas travaillé, n'ont pas véritablement mouillé le maillot pour que le parti soit tiré vers l'euro, ou soit des conditions ont été données en défaveur du parti dont ils sont ouvertement reconnu membre. Bref, il y a peut-être de la sous-mesure à un moment donné. Mais bon, chacun va. Merci. Un petit calcul. Oui. 53 pour l'UP. Quand on enlève les 14 sièges de femmes, ça lui fait 39. Oui. BR, 28. Avec 4 sièges de femmes, si on enlève les 4 sièges, ça lui fait 24. LD, 28. Quand on enlève les 5 sièges de femmes, ça lui fait 23. Oui, la moyenne. Ça veut dire que si on met de côté les sièges réservés aux femmes, oui, on a 39 pour l'UP, 24 pour le BR et 23 pour les démocrates. N'oubliez pas que là également, c'est une autre piste de la liste. Oui. C'est la performance réalisée par les différents acteurs. La féminisation. Nous avons quelques petites luttes très rapidement. Les membres du gouvernement, je pense que nous allons revenir beaucoup plus en profondeur sur l'analyse. On rappelle que ils étaient 9 à prendre part à cette compétition électorale et 5 ont réussi à se faire élire. Il s'agit du ministre d'État Blaise Biot-Chalé, le ministre de l'enseignement maternel et primaire Salimane Karimou, le ministre de l'eau Samoun Seydou Adambi, le ministre des infrastructures et des transports Hervé Khairoumain et le ministre du tourisme. Voilà, qui a quitté le bloc républicain, qui est allé au niveau de l'Union progressiste. Mais le bloc républicain a 4 ministres qui se sont fait. Ça fait quatre. L'Union progressiste, le renouveau, c'est Jean-Michel Abimbola. Ouais. Et il y a 4 ministres maintenant qui n'ont pas réussi à se faire élire. Le ministre ou la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé, enseignement technique, la formation professionnelle, Yves Chavi-Coirot, le ministre de la décentralisation, on en parlait tantôt, Raphaël Lacoté-Yon dans la 15e circonscription électorale, et puis Oswald Omeki dans la 16e circonscription électorale. Est-ce qu'on a de passer de la 11e pour la 16e. Grosse interrogation. On va y revenir lundi. Alors, parlons. Ça aurait été le score s'il n'y avait pas, par exemple, un Romeki derrière Diogonou à côté aussi. Ça aussi, c'est la question. On ne peut pas le débat de. On ne peut pas le débat de. Jusqu'à lundi, demain, vendredi, fête de société. On va pas. Je vais essayer les fêtes de société. C'est pareil. Raphaël Akotayon pour Kogblevi, la ministre du numérique dans la 7e pour le général Guyan, ainsi de suite. Et Kouarou dans la zone de la 3e, peut-être pour Domitien. Voilà. D'accord. Allez, ça aussi, c'est une autre piste d'analyse. La 9e législature se fera sans certaines grosses et grandes figures. Des députés qui n'ont pas réussi à se faire élire. Des professeurs. Des docteurs en politique. Beaucoup de docteurs. On dit que ce Parlement est renouvelé à plus de 45 députés qui ne reviendront pas. Une analyse globale. Je crois, parce que quand on entendait hier Sakalafia, il y a quand même des noms en dehors de ceux que nous maîtrisons, il y a quand même de nouveaux noms. Assez de nouveaux noms qui ont été prononcés. Il y a au point d'ailleurs où Sakalafia, dans l'une de ses blagues, disait qu'il n'est pas habitué à ces noms-là. Bref, c'était pas facile. La législature finissante, quand il y a des députés dont. Quand on jette beaucoup d'informations, il y a de nouveau. Peut-être en termes, je dirais, d'incursion dans la vie politique, mais il y a aussi quand même des figures qui avaient longtemps voulu être là-bas. Qui sont enfin là. Je fais allusion à un certain Amand Gansé, au niveau donc de la 23e, qui pendant longtemps s'est battu corps et âme pour quand même se retrouver dans une posture du genre et sur le terrain, la mouillée maillot pour. Il y a quand même des noms comme ça, je disais que pour un coup de serre, il suffit un coup de maître pour Malik Sebou Gomina, par exemple. Ainsi de suite, si vous remontez, vous vous rendez compte que par endroit, il y a quand même des figures nouvelles. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la présence des femmes, les 24 ou 8. Mais il y a des partis qui n'ont pas attendu de positionner les femmes au niveau des sièges, excuse-moi, réservés
à la jeune féminine, mais qui les avait déjà positionnés un peu plus tôt. Et donc, comme on aura plus de 24 femmes au niveau de. Ça doit faire 28, je crois. C'est déjà pas 28. Il y a certaines qui sont revenues, Rosine Dairo, nous avons Sofiat Chanou qui revient, tout à fait. Chantal Aïe. Chantal Aïe aussi est revenue. Elles sont un certain nombre maintenant. Il faut quand même saluer le travail abattu par Mathias Kouanou. Je le dis comme ça. Parce qu'un peu processus électoral, des ténors de sa zone l'ont abandonné. Je pense qu'en toute sérénité, il a réussi quand même à tenir la braque et la conduite à bon port. Sur le plateau ici, on avait opiné sur le rajeunissement possible du Parlement, mais aussi le renouvellement du rajeunissement. Je crois que c'est maintenant 40%. Et puis maintenant, la féminisation du Parlement. On avait à l'actif la gouvernance. Je pense qu'en tout cas, on a du chemin à faire jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle et puis à l'installation de ce Parlement, 9e législature. Alors, il y a des noms qu'on ne verra plus. David Biokou, Rachid Igbadamassi, Sadami Madega Fagla. C'est David Biokou, lui. Oui, si, il est élu. Christian ne sortit pas Biokou. C'est 19e, non? Dans la 19e, Biokou est élu. Non, il n'est pas élu. Il y a David. Je vois ici Tchano, Sofiat, c'est David Moussa. Et je vois Biokou. C'est David Moussa. Bon, ça veut dire que c'est une erreur de frappe alors. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur. La liste que moi j'ai, je lis Biokou. C'est toujours dans Moussa. Oui, c'est David Moussa. Oui, voilà, on a déjà reçu. Il est des aguerris. Godonou, David Moussa. Continuez de citer les noms. Oui, vous avez également des noms à votre disposition. Oui, allez-y. Nous avons Octave Foulegbe qui ne sera pas là. Vous avez Ben Massi qui ne sera pas là, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Ça fait quoi? Il y en a qui n'étaient pas positionnés déjà. Oui. Et donc, non, pour ceux qui ne seront pas là. Oui. Mais ceux qui sont positionnés, mais qui n'ont pas réussi à se faire réélire. Alors, ça fait quoi de ne pas. Bon, je ne suis peut-être pas député, vous ne l'avez jamais été, peut-être que dans une vie postérieure. Vous le savez, la vie parlementaire, c'est quoi? Mais ça ne s'arrête pas. Non, la vie parlementaire, ce n'est pas le fonctionnariat. Donc, je crois qu'il y a encore d'autres tribunes. Les deux instances. C'est parce que vous n'êtes pas encore là-bas que vous dites ça. Il y en a pour qui c'est une. Il ne faut pas laisser le Parlement ad vitam aeternam. De moins, ça, c'est maintenant compte fonctionner. Le résultat provisoire de la Sénat. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir les tickets pour le Parlement qu'ils ne vont pas continuer à servir la gouvernance. Ils pourraient être appelés à d'autres fonctions. Et le chef de l'État est un grand manager, il saura comment il faut contenter ceux qui, hier, l'ont accompagné dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes qui sont courageuses, qui sont difficiles, et des gens se sacrifient. Parce que vous savez que la 8e législature, mais j'ai vu des députés qui ont disparu juste après les élections, là, et les maisons sont suffisamment. Il y a les gros bras, sécurisés, il y a les gros bras, mais il y a aussi les forces du défense et de l'ordre. Je crois que maintenant, ils sont relaxés. Puisque l'élection a été inclusive, ouverte. Si même un député peut sortir sans son garde-corps. Donc je crois que le Bénin va être donné et continuera d'étonner. Le retour de Lazare Sékou. Ah oui, Lazare Sékou. Ce monsieur, ce monsieur fait partie du lot des députés dont je parlais, un de ces quatre sur le plateau d'Actu Matin, quand je faisais allusion à un certain Jude Lodjou, c'était bien un peu dans la même veine de force clé. Voilà. C'est quand même des acteurs qui ont impacté l'animation au niveau de l'institution parlementaire. Lazare Sékou a tout montré, a démontré une fois encore qu'il reste quand même un politique du cru, il a de la matière, il a réussi à tirer l'Union progressive, le renouveau vers l'euro. Je crois que c'est tout intéressant. C'est un monsieur à qui on a de l'admiration qui fait son retour. Je me rends compte que nous aurons quand même, à partir de l'année prochaine, de très anciens amis de Force Clé qui aujourd'hui ont pris des chemins différents. Je fais allusion au président chef de l'opposition. C'est un débat. Exactement. Vous avez alors Lazare Sékou
sort. Vous avez bien d'acteurs hein, qui vont quand même impacter, qui vont quand même, je crois, permettre à l'institution de nous présenter un nouveau visage. Hein. Ça, c'est une évidence. Je trouve Abouazza un serviteur de parti parce que je crois qu'il a beaucoup lutté. J'ai eu la chance de le côtoyer en 2014. Pour moi, j'étais rapporteur de la plateforme des forces démocratiques pour les élections transparentes et crédibles au Bénin. Et puis, Lazare, dans le casting, on a bien fait de mettre là comme son comme suppléant à Lazare, M. Dosuna Florent, qui a une longue expérience politique au niveau de la Renaissance du Bénin, et qui est allé à l'Union progressiste, et qui a continué à quadriller son territoire. C'est-à-dire que même au niveau de Jogbodome et consorts, parce que vous savez que la dernière circonscription, ça fait Jogbodome Zakota, et Kover Zanyalo Mouki. Donc, or, à Zakota, vous savez que la voie fauchée, on avait des soucis, qu'ils puissent faire de bon record, mais ils ont fait un bon travail, et c'est salutaire. Et je suis heureux, que je suis fort heureux, satisfait que mon frère et ami, sont de retour. Didier Médecin Diego. Voilà, Didier Médecin Diego qui est venu, qui marque son grand retour, son entrée au Parlement. Je pense que c'est tout bénéfique pour lui et donc ça permet à cette force puisqu'il avait déjà été élu une fois, c'est pourquoi je parle de il avait déjà été élu conseiller communal donc son expérience d'élu, je pense que ça se fortifie. N'oubliez quand même pas aussi, il y a aussi Charles Renfort qui retourne également au Parlement, c'est le grand retour pour lui. Et dans la foulée, j'ai parlé, il y a également Capo Maouyon. Ah oui, c'est lui, Thomas, non? Oui. Maouyon, Thomas, voilà, oui. C'est lui, il revient également. Donc je pense qu'on aura quand même. Dans les nouvelles entrées, il y a quand même, juste à côté de nous, tête de liste de l'Union progressive dans la CIVI. Victor Topalou. Voilà. Victor Prudhomme Topalou. Oui, professeur Victor Topalou. C'est vrai, le professeur qui fait son entrée. On va s'offrir le temps. Il y a bien d'analyse. C'était le scientifique politique. En ça qu'il y a une toute première expérience scientifique communale qui n'avait pas marché cette fois-ci pour les titres. Ça a marché. C'est des analyses, c'est de l'histoire. Allez, chers messieurs, merci beaucoup. On va continuer de mûrir les réflexions sur les débats futurs à venir. Merci à vous, Ahab Ali Barra. Merci à vous, Eloge Francis Attalé. Vous avez la félicitation de certains des téléspectateurs qui vous admirent bien. Depuis Boyko, je pense à un monsieur qui voudrait bien que je vous dise un mot. Il s'appelle Obalé, je crois. Hein? Obalé Manfoya Romaric. Obalé Manfoya Romaric. Voilà. Merci à Kimi. Merci à lui. Merci à vous également, Herman Morfé Animosu. Allez, on fait le point de l'actualité. Ça sera la fin, la revue de presse avec Assiombo Kanye Assiombo. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. À toutes et à tous, bonjour. Les résultats provisoires issus des législatives du dimanche 8 janvier ont été donnés par la Commission électorale nationale autonome. Dans la journée du lundi, pour le Soleil Bénin Info, les 109 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, 9e mandature, sont connus en attendant la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Au regard de cette proclamation provisoire des résultats, souligne le matinal, c'est le Parti Union Progressiste Le Renouveau que préside Joseph Diogbenou qui arrive en tête avec 53 députés. Le Bloc Républicain s'offre 28 sièges au Parlement 9e législature. Le Parti Les Démocrates, présidé par Éric Rouleté, quant à lui, vient en 3e position et obtient le même nombre de sièges que le BR, 28. Au total, indique l'autre vision, la 9e législature sera très animée avec le retour de certaines têtes, même si d'autres non moins attendues seront absentes au peloton. Patrice Talon n'aura pas du mal à gouverner au cours des 3 prochaines années, fait observer Fraternité. Il se sauve d'éventuels blocages parlementaires grâce à la victoire aux législatives des partis politiques qui soutiennent ses actions. Le chef de l'État pourra compter sur 81 députés, soit les 3/4 pour poursuivre ces réformes. Le message populaire a également donné un quitus à la gouvernance du président Talon avec plus
de 1 650 000 suffrages, soit plus de 66% exprimés en faveur des partis de la mouvance qui ont battu campagne sous le vocable de la continuité des réformes du pouvoir. Du point fait par le matinal, les populations restent toujours en phase avec la gouvernance du président Patrice Talon. Le journal note toutefois que 30 députés sont réélus, 5 ministres élus et 28 femmes au Parlement. En tout cas, notre fraternité, c'est le grand retour de l'opposition au Parlement. Elle est de retour et de la plus belle des manières. Absente de l'Assemblée nationale pour le compte de la législature finissante, l'opposition fait son comeback, n'ayant pu participer à la compétition électorale en 2019. Elle est restée au cours de ces dernières années loin de ce qu'il faut considérer comme le temple de la démocratie. Aujourd'hui, il faut croire que tout ceci appartient au passé. Les contenteurs du régime de Patrice Talon sont à nouveau à l'Assemblée nationale. Bien qu'ils soient minoritaires, leur présence au Parlement au lendemain des législatives du 8 janvier est le symbole de l'attachement des Béninois à la démocratie. Exit le Parlement monocolore, affiche Matin Libre, pour lequel l'entrée de l'opposition a fait des victimes. Mais justement, quelques heures après les grandes tendances données par la Sénat, le chef de file de l'opposition, Paul Rumpert, s'est prononcé et rapporté par L'Autre Vision qui écrit que le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Rumpert, a fait une sortie médiatique pour se prononcer sur les grandes tendances annoncées par la Sénat. Dans sa déclaration, tout en prenant acte du verdict des urnes et en saluant les militants FCBE pour la bravoure dont ils ont fait montre, Paul Rumpert a reconnu tout le travail abattu par la Sénat. Il n'a pas manqué de féliciter le parti Les Démocrates pour sa prouesse électorale qui fait de lui la première force de l'opposition. Ailleurs, L'Économiste du Bénin informe que les réformes se poursuivent au niveau du système de gestion des finances publiques au Bénin. À cet effet, un nouveau plan est en cours de finalisation pour être mis en œuvre sur la période 2023-2026. Il repose sur 22 programmes répartis en 5 axes stratégiques, s'inspirant de l'évaluation du Fonds monétaire international, des orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et des résultats de mise en œuvre du plan global de référence de la gestion des finances publiques 2017-2020, prorogé sur le biennal 2021-2022. Dans la suite, Fraternité renseigne que sur invitation du président de la République, Patrice Talon, le président de la République de Guinée-Bissau, Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite de travail au Bénin le mercredi 11 janvier 2023. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un tête-à-tête dominé par les questions de sécurité et d'intégration sous-régionale. La situation politique au Bénin, marquée notamment par les élections législatives du 8 janvier dernier, a été également abordée par les deux personnalités. À en croire L'Économiste du Bénin, le chef de l'État du Bénin a rassuré le président de la CEDEAO de ce que le Bénin ne manquera pas de jouer sa partition dans l'espace communautaire, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés et la bonne gouvernance, pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme. Merci d'avoir été à l'écoute.